Mon frère qui installe le set et qui ne branche rien. Du coup, je vous disais que comme la lecture de ce soir, ça va être une lecture de Noël, mais pas totalement de Noël, je savais pas si c'était bien de mettre les accessoires de Noël. Mais si vous voulez, je peux aller les chercher, on peut choisir, si ça vous manque trop. Bonsoir à vous deux. Du coup, cette semaine, on entame une lecture un peu plus fantasy, héroïque. Enfin, pas héroïque, mais fantasy, ouais. Avec Passe-miroir de Christelle Dabos. Donc, c'est une femme qui a été élue à de nombreuses reprises cette année pour son ouvrage, notamment pour cette série. Elle a eu le prix de l'imaginaire en 2016, donc c'est pas cette année, je dis n'importe quoi. Elle a été lauréate du concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Et c'est une série en 3 tomes, 2 ou 3 tomes. Non, je sais plus si c'est 3 ou 4, mais il me semble que c'est 3 tomes. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se prolonger encore et encore, comme les Tara Duncan, comme les Harry Potter, comme beaucoup de choses. Et pour ceux qui n'ont pas suivi du coup comment dirais-je, les messages sur Discord ou bien les stories sur Instagram, je vais vous lire vite fait le résumé. Et je vais me mettre directement sur Twitch parce que sinon je vois pas le chat avec mes yeux de poule. Alors, sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Donc voilà, c'est les premières phrases qui doivent définir le roman, pour vous donner un peu une idée de ce que ça va être. Alors, je pense. Je lis pas de fantasy, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas de Lifting Edge, c'est pas du tout mon genre. Je l'ai choisi parce que je trouvais que ça collait à l'univers de Noël, à l'atmosphère de Noël, parce que ça s'appelle Les Fiancés d'hiver. Je l'ai choisi aussi parce que vous m'avez beaucoup réclamé de choses un peu plus fantasy, et parce que c'est un livre très populaire, du coup je me suis dit que ça pourrait vous plaire, parce que ça plaît à beaucoup de monde. Donc je suis très novice dans ce genre-là. Je vais découvrir en même temps que vous, parce que j'en sais pas plus que le résumé, mis à part que j'en étais très teasée sur les réseaux parce qu'ils en parlent énormément. Et à mon avis, vu que c'est un livre héroïque fantasy, il va y avoir beaucoup de dialogues. Je vais pas commencer à jouer sur mes talents d'actrice, hein, vous savez que je suis pas une actrice. Je sais pas inventer des personnages, imiter des voix. Donc je vais pas faire des trucs de ouf. Hein. Vous attendez pas à des trucs de taré, à des voix fantastiques, etc. Il y aura pas ça. Hein. Voilà, maintenant comme ça on est tous clairs. Voilà, exactement. Du coup, à 40, on va commencer la lecture comme d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, enfin, je suis aussi curieuse en fait que vous de découvrir cette lecture-là, parce que c'est vrai que moi je connais pas. Je sais que ça a du succès, mais après, en dehors de ça. Voilà quoi, je suis novice dans ce genre. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez. Ou est-ce que vous en avez entendu parler? C'est haut là un peu. Ah ouais, bah moi franchement j'en ai entendu beaucoup parler, même la couverture ça te dit rien? Je trouve qu'on l'a beaucoup vu quand même. Hein. Enfin, moi qui suis sur Instagram et qui fais des revues de livres et tout, je suis abonnée à pas mal de comptes qui font la même chose que moi. Parce que c'est aussi quelque chose que j'aime regarder, que j'aime lire. Et je l'ai vu vraiment beaucoup passer. Mais comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment pas le genre de truc qui m'attire. Et je me suis un peu emportée parce qu'en fait, je pensais qu'il faisait 200 pages, mais il fait 200 pages en poche. En gros format, il fait 500 pages. C'est une grosse brique. Donc, on va voir comment on s'en sort pour la lecture. J'en ai aucune idée, honnêtement, puisque j'ai jamais lu. Donc, je verrai en fonction de comment ça se lit, combien de temps on va le lire. Et si jamais ça vous plaît, on continuera la série. Si ça vous plaît pas, on lira autre chose. Après, on pourra très bien, après, à la fin de cette lecture-ci, couper, lire autre chose et reprendre. C'est pas un problème, mais vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai agrandi l'espace.
d'écran. On agrandit le champ des possibles sur Aude à la joie. Vous allez pouvoir me voir en grand. Donc voilà, j'ai juste réussi à changer la résolution. Mais voilà, je suis contente d'avoir plus de place. J'espère que vous vous suffoquez moins maintenant, que vous regardez l'image. Enfin, je pense qu'en vrai, vous regardez pas l'image. Vous écoutez juste, non? En tout cas, ce livre, il est très pratique pour faire tapis de souris. On pourra pas lui enlever ça. Je vais juste régler les paramètres du chat et on va commencer. Ce soir, il n'y a pas Dark Choppy ou Choppy pour son mois de gentil, donc il n'y aura pas de modération. Donc ceux qui sont habitués au live, s'il vous plaît, essayez de canaliser les fous qui vont arriver, je pense, aux alentours de minuit, c'est comme les Gremlins. Je vais mettre le chat en mode lent, mais voilà, si jamais voilà, il y a des personnes bienveillantes qui veulent bien modérer les fous qui vont arriver dans quelques temps. Et non, ça me pose aucun problème. Enfin, je m'attends plus à ce que les gens écoutent plus qu'ils ne regardent, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à regarder, si on peut être tout à fait honnête. Il nous manque ce beau moment ASMR de la vidéo. Qu'est-ce que j'aime ce bruit. On avait dit que j'allais boire, faire un live teaser pour le nouvel an, et au final, c'est archi pas prévu, hein. Je serais même pas en France pour le nouvel an. Bon, tu regarderas la fin en rediff alors. Chapitre 1, l'archiviste. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Le bâtiment des archives familiales, par exemple, était continuellement de mauvaise humeur. Il passait ses journées à craqueler, à grincer, à fuir et à souffler pour exprimer son mécontentement. Il n'aimait pas les courants d'air qui faisaient claquer les portes mal fermées l'été. Il n'aimait pas les pluies qui encrassaient sa gouttière en automne. Il n'aimait pas l'humidité qui infiltrait ses murs en hiver. Il n'aimait pas les mauvaises herbes qui revenaient envahir sa cour chaque printemps. Mais par-dessus tout, le bâtiment des archives n'aimait pas les visiteurs qui ne respectaient pas les horaires d'ouverture. C'est sans doute pourquoi, en ce petit matin de septembre, le bâtiment craquelait, grinçait, fuyait et soufflait encore plus que d'habitude. Il sentait venir quelqu'un alors qu'il était encore beaucoup trop tôt pour consulter les archives. Ce visiteur-là ne se tenait même pas devant la porte d'entrée sur le perron en visiteur respectable, non, il pénétrait dans les lieux comme un voleur, directement par le vestiaire des archives. Un nez était en train de pousser au beau milieu d'une armoire à glace. Le nez allait en avançant. Il émergea bientôt à sa suite une paire de lunettes, une arcade sourcilière, un front, une bouche, un menton, des joues, des yeux, des cheveux, un cou et des oreilles. Suspendu au milieu du miroir, jusqu'aux épaules, le visage regardait à droite, puis à gauche. La pliure d'un genou effleura à son tour un peu plus bas et remorqua un corps qui s'arracha tout entier de l'armoire à glace, comme il l'aurait fait d'une baignoire. Une fois sorti du miroir, la silhouette ne se résumait plus qu'à un vieux manteau usé, une paire de lunettes grises et une longue écharpe tricolore. Et sous ses épaisseurs, il y avait Ophélie. Autour d'Ophélie, le vestiaire protestait maintenant de toutes ses armoires, furieux de cette intrusion qui bafouait le règlement des archives.
Les meubles grinçaient des gonds et tapaient des pieds. Les cintres s'entrechoquaient bruyamment comme si un esprit frappeur les poussait les uns contre les autres. Cette démonstration de colère n'intimida pas Ophélie le moins du monde. Elle était habituée à la susceptibilité des archives. « Tout doux, » murmura-t-elle, « tout doux. » Aussitôt, les meubles se calmèrent et les cintres se turent. Le bâtiment des archives l'avait reconnu. Ophélie sortit du vestiaire et referma la porte. Sur le panneau, il y avait écrit « Attention, chambre froide, prenez un manteau. » Les mains dans les poches, sa longue écharpe à la traîne, Ophélie passa devant une enfilade de casiers étiquetés. Registre des naissances, registre des décès, registre des dispenses de consanguinité, et ainsi de suite. Elle poussa doucement la porte de la salle de consultation, déserte. Les volets étaient fermés, mais ils laissaient pénétrer quelques rayons de soleil qui éclairaient une rangée de pupitres à travers la pénombre. Le chant d'un merle dans le jardin semblait rendre cette échappée de lumière plus lumineuse encore. Il faisait si froid aux archives que ça donnait envie d'ouvrir toutes les fenêtres pour faire entrer l'air tiède du dehors. Ophélie resta immobile un moment dans l'encadrement de la porte. Elle observa les fils de soleil qui glissaient lentement sur le parquet au fur et à mesure que le jour se levait. Elle respira profondément le parfum des vieux meubles et du papier froid, cette odeur dans laquelle son enfance avait baigné. Ophélie ne la sentirait bientôt plus. Elle se dirigea à pas lents vers la loge de l'archiviste. L'appartement privé était protégé par un simple rideau. Malgré l'heure matinale, il s'en dégageait déjà un puissant arôme de café. Ophélie toussa dans son écharpe pour s'annoncer, mais un vieil air d'opéra en recouvrit le bruit. Elle se glissa alors par le rideau. Elle n'eut pas à chercher loin l'archiviste. La pièce faisait à la fois office de cuisine, de séjour, de chambre et de cabinet de lecture. Il était assis sur son lit, le nez dans une gazette. C'était un vieil homme avec des cheveux blancs en bataille. Il avait coincé sous son sourcil une loupe d'expertise qui lui faisait l'œil énorme. Il portait des gants ainsi qu'une chemise blanche mal repassée sous son veston. Moi aussi, ça m'a fait tiquer. Peut-être que ça se passe à une époque où il y avait encore, tu sais, des rois qui se mariaient entre cousins et tout, frères et sœurs. Peut-être pour ça. C'était un vieil homme avec des cheveux blancs en bataille. Il avait coincé sous son sourcil une loupe d'expertise qui lui faisait l'œil énorme. Il portait des gants ainsi qu'une chemise blanche mal repassée sous son veston. Ophélie toussa encore une fois, mais il ne l'entendit pas à cause du phonographe. Plongé dans sa lecture, il accompagnait le petit air d'opéra en chantonnant, pas très juste d'ailleurs. Et puis il y avait aussi le ronflement de la cafetière, les gargouillis du poêle et tous les petits bruits habituels du bâtiment des archives. Ophélie s'imprégna de l'atmosphère particulière qui régnait dans cette loge. Les fausses notes du vieil homme, la clarté naissante du jour filtrant à travers les rideaux, le froissement des pages tournées avec précaution, l'odeur du café et, un ton en dessous, le parfum de naphtaline d'un bec de gaz. Dans un coin de la pièce, il y avait un damier dont les pièces se déplaçaient toutes seules, comme si deux joies invisibles s'affrontaient. Ça donnait envie à Ophélie de ne surtout toucher à rien, de laisser les choses en l'état, de rebrousser chemin, de peur d'abîmer ce tableau familier. Pourtant, elle devait se résoudre à briser le charme. Elle s'approcha du lit et tapota l'épaule de l'archiviste. Non dit Jou, s'exclama-t-il en sursautant de tout son corps. Tu ne pourrais pas prévenir avant de tomber sur les gens comme ça ? J'ai essayé, s'excusa Ophélie. Là, on commence à voir mes fameux talons d'acteur. Elle ramassa la loupe d'expertise qui avait roulé sur le tapis et la lui rendit. Elle ôta ensuite son manteau, qui l'enveloppait de pied en cap, débobina son interminable écharpe et déposa le tout sur le dossier d'une chaise. Il ne resta plus d'elle qu'une forme menue de lourdes boucles brunes mal attachées, de rectangles de lunettes et une toilette qui aurait mieux convenu à une dame âgée. « Tu me viens encore du vestiaire, hein ?» grommela l'archiviste en nettoyant sa loupe avec sa manche. « Cette fixette de passer les miroirs à des heures indues. Tu sais bien que ma bigoque a la visite surprise en allergie. Un de ces jours, tu vas te prendre une poutre sur la tête que tu l'auras bien cherchée. »
Sa voix bourrue, faisait frémir de superbes moustaches qui s'évadaient jusqu'aux oreilles. Il se leva laborieusement du lit, empoigna la cafetière, marmonnant un patois que lui seul parlait encore sur Anima. À force de manipuler des archives, le vieil homme vivait complètement dans le passé. Même la gazette qu'il feuilletait datait d'un demi-siècle au moins. Une jatte de café, fille? Merci, c'est trop d'honneur. Toujours le mot pourri, hein, la gueuse. Une jatte de café, fille? L'archiviste n'était pas un homme très sociable, mais chaque fois que ses yeux se posaient sur Ophélie, tel qu'il le faisait à cet instant, il se mettait à pétiller comme du cidre. Il avait toujours eu un faible pour cette petite nièce, sans doute parce que, de toute la famille, elle était celle qui lui ressemblait le plus. Aussi désuète, aussi solitaire et aussi réservée que lui. Ophélie fit oui de la tête. Elle avait la gorge trop serrée pour parler, là, maintenant. Le grand-oncle leur remplit à chacun une tasse fumante. « J'ai eu un petit téléphonage avec ta maman hier soir, » mâchonna-t-il dans sa moustache. « Elle était tellement excitée que je n'ai pas saisi la moitié de sa jacasserie. Mais bon, j'ai compris l'essentiel, tu vas enfin passer à la casserole, on dirait. » Ophélie acquiesça sans mot dire. Le grand-oncle fronça aussitôt ses énormes sourcils. « N'allonge pas cette tête, s'il te plaît. Ta mère a trouvé un bonhomme, il n'y a plus rien à redire. » Il lui tendit sa tasse et se rassit lourdement sur son lit, faisant grincer tous les ressorts du sommier. « Pose tes fesses, il faut qu'on cause sérieux, de parrain à filleul. »« Bonsoir. » Ophélie tira une chaise vers le lit. Elle dévisagea son grand-oncle et ses flamboyantes moustaches avec un sentiment d'irréalité. Elle avait l'impression de contempler à travers lui une page de sa vie qu'on lui déchirait juste sous le nez. Je me doute bien pourquoi tu me louches dessus ainsi, déclara-t-il. Sauf que cette fois, c'est non. Tes épaules tombantes, tes lunettes moroses, tes soupirs de malheureuse comme les pierres, tu les ranges au placard. Il brandit le pouce et l'index, tout hérissé de poils blancs. Deux cousins que tu as déjà rejetés. Ils étaient moches comme des moulins à poivre et grossiers comme des pots de chambre, je te le concède. Mais c'est toute la famille que tu as insultée à chaque refus. Et le pire, c'est que je me suis fait ton complice pour saboter ses accordailles. Il soupira dans ses moustaches. Je te connais comme si je t'avais faite. Tu es plus arrogante qu'une commode, à jamais sortir un mot plus haut que l'autre, à jamais faire de caprices, mais dès qu'on te parle de mari, tu es pire qu'une enclume. Et pourtant, c'est de ton âge, que le bonhomme te plaise ou non. Si tu ne te ranges pas, tu finiras au banc de la famille, et ça, moi, je ne veux pas. Bienvenue au club. Mais moi, c'est un choix, hein. Je suis juste une grosse pince, j'ai pas envie de payer. Le nez dans sa tasse de café, Ophélie décida qu'il était grand temps pour elle de prendre la parole. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, mon oncle. Je ne suis pas venue vous demander de vous opposer à ce mariage. Au même instant, l'aiguille du phonographe se prit au piège d'une rayure. L'écho, en boucle de la soprano, emplit toute la place, toute la pièce. « Si je, si je, si je, si je !» Le grand-oncle ne se leva pas pour libérer l'aiguille de son ornière. Il était trop abasourdi. « Qu'est-ce que tu me barbotes? Tu ne veux pas que j'intervienne ?»« Non. La seule faveur que je suis venue vous demander aujourd'hui, c'est l'accès aux archives. »« Mes archives ?»« Aujourd'hui. » « Si je, si je, si je !» bégayait le tourne-disque. Le grand-oncle osa un sourcil sceptique, ses doigts farfouillant sa moustache. « Tu n'attends pas de moi que je plaide ta cause auprès de ta mère. Ça ne servira à rien. Ni que je fasse fléchir ton faiblard de père. Je vais épouser l'homme qu'on a choisi pour moi, ce n'est pas plus compliqué que cela. » L'aiguille du tourne-disque sursauta et poursuivit son bonhomme de chemin tandis que la soprano clamait triomphalement « Si je t'aime, prends garde à toi. » Ophélie remonta ses lunettes sur son nez et soutint le regard de son parrain sans ciller. Ses yeux à elle étaient aussi bruns que ses yeux à lui étaient dorés. « À la bonne heure !» souffla le vieil homme soulagé. « Je t'avoue que je te croyais incapable de prononcer ces mots.
Il a dû sacrément te taper dans l'œil, le bonhomme. Crache le morceau et dis-moi qui c'est. Ophélie se leva de sa chaise pour débarrasser leurs tasses. Elle voulut les passer sous l'eau, mais l'évier était déjà rempli à ras-bord d'assiettes sales. En temps normal, Ophélie n'aimait pas le ménage, mais ce matin, elle déboutonna ses gants, retroussa ses manches et fit la vaisselle. Ses cadeaux. Vous ne le connaissez pas, dit-elle enfin. Son murmure se noya dans l'écoulement de l'eau. Le grand-oncle arrêta le phonographe et s'approcha de l'évier. « Je ne t'ai pas entendu, jeune fille !» Ophélie ferma le robinet un instant. Elle avait une voix en sourdine et une mauvaise élocution. Elle devait souvent répéter ses phrases. « Vous ne le connaissez pas !»« Tu oublies à qui tu t'adresses ?» ricana le grand-oncle en croisant les bras. « Je ne sors peut-être jamais le nez de mes archives, mais je connais l'arbre généalogique mieux que personne. Il n'est pas un de tes plus lointains cousins depuis la vallée jusqu'au grand lac dont j'ignore l'existence. » « Vous ne le connaissez pas, » insista Ophélie. Elle frotta une assiette avec son éponge, le regarda dans le vide. Le regard dans le vide. Toucher toute cette vaisselle sans gants lui faisait remonter le temps malgré elle. Elle aurait pu décrire jusqu'au moindre détail tout ce que son grand-oncle avait mangé dans ses assiettes depuis qu'il les possédait. Habituellement, en bonne professionnelle, Ophélie ne manipulait pas les objets des autres sans ses gants, mais son grand-oncle lui avait appris à lire ici même dans cet appartement. Elle connaissait personnellement chaque ustensile sur le bout des doigts. « Cet homme n'est pas de la famille, » annonça-t-elle enfin. « Il vient du pôle. » Un long silence suivit, seulement perturbé par le gargouillis des canalisations. Ophélie essuya ses mains dans sa robe et regarda son parrain par-dessus ses lunettes en rectangle. Il s'était tout soudain tassé sur lui-même à croire qu'il venait de se prendre 20 ans sur les épaules. Ses moustaches étaient retombées comme des drapeaux en berne. « C'est quoi ce brôle ? » souffla-t-il d'une voix blanche. « Je n'en sais pas plus, » dit doucement Ophélie. « Sinon que, d'après maman, c'est un bon parti. J'ignore son nom, je ne connais même pas son visage. » Le grand-oncle s'en alla chercher sa boîte à priser sous un oreiller, enfourna une passée de tabac au fond de chaque narine et éternua dans un mouchoir. C'était sa manière à lui de s'éclaircir les idées. « Il doit y avoir une erreur. C'est ce que je voudrais croire aussi, mon oncle, mais il semblerait qu'il n'y en ait aucune. » Ophélie laissa échapper une assiette qui se brisa en deux dans l'évier. Elle tendit les morceaux à son grand-oncle, il les serra l'une contre l'autre et l'assiette cicatrisa aussitôt. Il la posa sur l'égouttoir. Le grand-oncle était un animiste remarquable. Il savait absolument tout rafistoler de ses mains et les objets les plus improbables lui obéissaient comme des chiots. « Il y a forcément une erreur, » dit-il. « Tout archiviste que je suis, je n'ai jamais entendu parler d'un mélange aussi contre-nature. Moins les animistes ont de commerce avec ces étrangers-là, mieux ils se portent, point final. »« Et pourtant, ce mariage aura lieu, » murmura Ophélie en reprenant sa vaisselle. « Mais quelle épingle vous a piqué, ta mère et toi ?» s'exclama le grand-oncle effaré. « De toutes les arches, le pôle est celle qui traîne la plus mauvaise réputation. Ils ont des pouvoirs qui vous détraquent la tête. » Ce n'est même pas une vraie famille, ce sont des meutes qui se déchirent entre elles. Est-ce que tu sais tout ce qu'on se raconte à leur sujet ? Ophélie cassa une nouvelle assiette. Tout à sa colère, le grand-oncle ne se rendait pas compte de l'impact que ses paroles avaient sur elle. Il aurait eu du mal. Ophélie était dotée d'un visage lunaire où les émotions remontaient rarement jusqu'à la surface. Non, dit-elle seulement, je ne sais pas ce qu'on raconte et ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'une documentation sérieuse. La seule chose que je souhaite, donc, si vous le voulez bien, c'est l'accès aux archives. » Le grand-oncle reconstitua l'autre assiette et la posa sur l'égouttoir. La pièce se mit à craquer et à grincer des poutres. La mauvaise humeur de l'archiviste se communiquait à tout le bâtiment. « Je ne te reconnais plus. Tu faisais plein de chichis avec tes cousins et maintenant qu'on te colle un barbare au fond du lit, te voilà toute résignée. » Ophélie se figea, l'éponge dans une main, une tasse dans l'autre et ferma les yeux. Plongée dans l'obscurité de ses paupières, elle regarda au fond d'elle-même. Résignée ? Pour être résignée, il faut accepter une situation, et pour accepter une situation, il faut comprendre le pourquoi du comment. Ophélie, elle ne comprenait rien à rien. Quelques heures auparavant, elle ne se savait pas encore fiancée, elle avait l'impression d'aller au-devant d'un précipice, de ne plus s'appartenir du tout.
Quand elle risquait une pensée vers l'avenir, c'était l'inconnu à perte de vue. Abasourdie, incrédule, prise de vertige, ça oui, elle l'était. Comme un patient à qui l'on vient de diagnostiquer une maladie incurable. Mais elle n'était pas résignée. Non, décidément, je n'imagine pas le bazar, reprit le grand-oncle. Et puis, qu'est-ce qu'il viendrait faire dans le coin, cet étranger? Il est où son intérêt là-dedans? Sauf ton respect, fille, tu n'as pas la feuille la plus avantageuse de notre arbre généalogique, je veux dire, c'est juste un musée que tu tiens, pas une orfèvrerie. Ophélie laissa tomber une tasse. Dis donc. Merci pour ta souscription. Ce n'était ni de la mauvaise volonté, ni de l'émotivité. Cette maladresse était pathologique. Les objets lui filaient continuellement entre les doigts. Le grand-oncle avait l'habitude, il reconstituait tout derrière elle. « Je crois que vous n'avez pas bien compris, » articula Ophélie avec raideur. « Ce n'est pas cet homme qui s'en vient vivre sur Anima. C'est moi qui dois le suivre au pôle. » Cette fois, ce fut le grand-oncle qui brisa la vaisselle qu'il était occupé à ranger. Il jura dans son vieux patois. Une lumière franche entrait maintenant par la fenêtre de la loge. Elle clarifiait l'atmosphère comme une eau pure et déposait des petites étincelles sur le cadre du lit, le bouchon d'une carafe et le pavillon du phonographe. Ophélie ne comprenait pas ce que tout ce soleil faisait là. Il sonnait faux au milieu de cette conversation. Il rendait les neiges du pôle si lointaines, si irréelles, qu'elle n'y croyait plus vraiment elle-même. Elle retira ses lunettes, les briqua dans son tablier, puis les remit sur son nez par réflexe, comme si ça pouvait l'aider à y voir plus clair. Les verres qui étaient devenus parfaitement transparents sitôt ôtés retrouvèrent vite leur teinte grise. Cette vieille paire de lunettes était un prolongement d'Ophélie. La couleur qu'elle prenait s'accordait à ses humeurs. « Je constate que maman a oublié de vous dire le plus important. Ce sont les doyennes qui m'ont fiancé à cet homme. Pour le moment, elles seules sont instruites des détails du contrat conjugal. »« Les doyennes ?» octa le grand-oncle. Son visage s'était décomposé, et toutes ses rides avec lui. Il prenait enfin conscience de l'engrenage dans lequel sa petite fille, sa petite nièce, se trouvait prise. « Bonsoir. » Un mariage diplomatique, souffla-t-il d'une voix blanche. Malheureuse. Il enfonça de nouvelles pincées de tabac dans son nez et éternua si fort qu'il dut remettre son dentier en place. Ma pauvre gamine, si les doyennes s'en sont mêlées, aucun recours n'est plus envisageable. Mais pourquoi ? Demanda-t-il en ébrouant ses moustaches. Pourquoi toi ? Pourquoi là-bas ? Ophélie lava ses mains au robinet et reboutonna ses gants. Elle avait suffisamment cassé de vaisselle pour aujourd'hui. Il semblerait que la famille de cet homme ait pris directement contact avec les doyennes pour arranger le mariage. J'ignore toutes des raisons qui les ont orientées vers moi plutôt que vers une autre. J'aimerais à croire à un malentendu, vraiment. Et ta mère ? Ravie, chuchota Ophélie avec amertume. On lui a promis un bon parti pour moi, et c'est bien plus qu'elle n'espérait. Dans l'ombre de ses cheveux et de ses lunettes, elle serrait les lèvres. Il n'est pas en mon pouvoir de repousser cette offre. Je suivrai mon futur époux là où le devoir et l'honneur m'y obligent, mais les choses s'en tiendront à cela, conclut-elle en tirant sur ses gants d'un geste déterminé. Ce mariage-là n'est pas prêt d'être consommé. Le grand-oncle la divisagea d'un air peiné. Non, ma fille, non, oublie ça. Regarde-toi. Tu es haute comme un tabouret, tu fais le poids d'un polochon. Peu importe ce qu'il t'inspire, je te conseille de ne jamais opposer ta volonté à celle de ton mari. Tu t'y romprais les os. Ophélie tourna la manivelle du phonographe pour remettre le plateau en mouvement et posa maladroitement l'aiguille sur le premier sillon du disque. Le petit air d'opéra fit à nouveau résonner le pavillon. Elle le regarda d'un air absent, les bras dans le dos, et ne dit plus rien. Ophélie était ainsi. Dans des situations où n'importe quelle jeune fille aurait pleuré, gémi, hurlé, supplié, elle se contentait en général d'observer en silence. Ses cousins et cousines se plaisaient à dire qu'elle était un peu simplette. « Écoute, » marmonna le grand-oncle en gratte. Oh. «
Écoute, marmonna le grand-oncle en grattant son cou mal rasé, il ne faut pas trop dramatiser non plus. J'ai sans doute été excessif quand je te causais de cette famille tantôt. Qui sait, peut-être ton bonhomme te plaira-t-il? Félie regarda son oncle attentivement. La lumière intense du soleil semblait accentuer les traits de sa figure et en creuser chaque ride. Avec un pincement au cœur, elle réalisa soudain que cet homme, qu'elle avait toujours cru solide comme un roc et insensible au passage du temps, était aujourd'hui un vieillard fatigué. Elle venait de le vieillir davantage, malgré elle. Elle se força à sourire. Ce qu'il me faut, c'est une bonne documentation. Les yeux du grand-oncle retrouvèrent un peu de leur pétillant. Remets ton manteau, fille, on va descendre. Il y avait du lag. Chapitre 2. Le grand-oncle s'engouffra dans la bouche d'un escalier faiblement éclairé par des veilleuses. Les mains dans son manteau, le nez dans son écharpe, Ophélie descendit à sa suite. La température chutait de marche en marche, ses yeux étaient encore pleins de soleil. Elle avait vraiment l'impression de s'enfoncer dans une eau noire et glaciale. Elle sursauta quand la voix bourrue du grand-oncle se répercuta en écho contre les parois. « Je n'arrive pas à me faire à l'idée que tu vas partir. Le pôle, c'est vraiment l'autre bout du monde. » Il s'arrêta dans l'escalier pour se tourner vers Ophélie. Elle ne s'était pas encore accoutumée à la pénombre et elle le percuta de plein fouet. « Dis, tu es plutôt douée en traversée de miroirs. Tu ne pourrais pas exécuter tes petits voyages du pôle jusqu'ici, des fois. »« J'en suis incapable, mon oncle. Le passage des miroirs ne fonctionne qu'à petite distance. Inutile de songer à franchir le vide entre deux arches. » Le grand-oncle jura en vieux patois et reprit sa descente. Ophélie se sentit coupable de ne pas être aussi douée qu'il le croyait. « J'essaierai de venir vous voir souvent, » promit-elle d'une petite voix. « Tu pars quand, juste ?»« En décembre, si j'en crois les doyennes. » Le grand-oncle jura encore. Ophélie fut contente de ne rien comprendre à son patois. « Et qui va te succéder au musée ?» maugréa-t-il. Il n'y en a pas deux comme toi pour expertiser les antiquités. » À cela, Ophélie ne trouva rien à répondre. Qu'elle fût arrachée à sa famille, c'était déjà une déchirure en soi. Mais qu'elle fût arrachée à son musée, le seul endroit où elle se sentait pleinement elle-même, c'était perdre son identité. Ophélie n'était bonne qu'à lire. Si on lui retirait ça, il ne restait d'elle qu'une empotée. Elle ne savait ni tenir une maison, ni faire la conversation, ni accomplir une tâche ménagère sans se blesser. « Je ne suis apparemment pas si irremplaçable, » murmura-t-elle dans son écharpe. Dans le premier sous-sol, le grand-oncle changea ses gants habituels pour des gants propres. À la lumière des veilleuses électriques, il fit coulisser ses casiers pour éplucher les archives déposées génération après génération sous la voûte froide des caves. Il expulsait de la buée entre ses moustaches à chaque respiration. « Bon, ce sont les archives familiales, alors ne t'attends pas à des miracles. » Je sais qu'un ou deux de nos ancêtres ont déjà posé les pieds dans le Grand Nord, mais ça remonte fichtrement. Ophélie moucha une goutte qui lui pendait au nez. Il ne devait pas faire plus de 10 degrés ici. Elle se demanda si la maison de son époux serait plus froide encore que cette salle d'archives. « J'aimerais voir Augustus, » dit-elle. C'était évidemment une façon de parler. Augustus était mort bien avant la naissance d'Ophélie. Voir Augustus signifiait voir ses croquis. Augustus avait été le grand explorateur de la famille, une légende à lui tout seul. À l'école, on enseignait la géographie à partir de ses carnets de voyage. Il n'avait jamais écrit une ligne, il ne maîtrisait pas son alphabet, mais ses dessins étaient une mine d'informations. Comme le grand-oncle ne répondait pas, plongé dans ses casiers, Ophélie crut qu'il ne l'avait pas entendu. Elle tira sur l'écharpe qui lui enveloppait le visage et répéta d'une voix plus forte. « J'aimerais voir Augustus !»« Augustus ?» mâchonna-t-il sans la regarder. « Pas intéressant. Trois fois rien, juste de vieux barbouillages. » Ophélie haussa les sourcils. Le grand-oncle ne dénigrait jamais ses archives. « Oh !» lâcha-t-elle.
C'est épouvantable à ce point. » Avec un soupir, le grand-oncle émergea du tiroir grand ouvert devant lui. La loupe qu'il avait coincée sous son sourcil lui faisait un œil deux fois plus gros que l'autre. « Travée numéro 4 à ta gauche, étagère du bas. N'abîme rien, s'il te plaît, et mets des gants propres. » Ophélie longea les casiers, s'agenouilla à l'endroit indiqué. Il y avait là tous les originaux des carnets de croquis d'Augustus, classés par arche. Elle en trouva 3 à l'Andalus, 7 à Cité, et près de 20 à Sérénissime. À Paul, elle n'en trouva qu'un seul. Ophélie ne pouvait pas se permettre d'être maladroite avec des documents de cette valeur. Elle le posa sur un pupitre de consultation et tourna précautionneusement les pages des dessins. On va se contenter de cette version-là. Des plaines pâles à fleurs de roche, un fjord prisonnier de la glace, des forêts de grands sapins, des maisons engoncées dans la neige. Ces paysages étaient austères, oui, mais moins impressionnants que l'image qu'Ophélie s'était faite du pôle. Elle les trouvait même assez beaux d'une certaine façon. Elle se demanda où son fiancé vivait au milieu de tout ce blanc. Près de cette rivière bordée de cailloux, dans ce port de pêche perdu sous la nuit, sur cette plaine envahie par la toundra, cette arche avait l'air tellement pauvre et tellement sauvage, en quoi son fiancé pouvait-il être un si bon parti? Ophélie tomba sur un dessin qu'elle ne comprit pas. Ça ressemblait à une ruche suspendue dans le ciel, probablement une esquisse. C'est celui-là, je pense. Elle tourna encore quelques pages et vit un portrait de chasse. Un homme posé fièrement devant une immense tas de fourrure. Les poings sur les hanches, il avait retroussé ses manches de façon à montrer ses bras puissants, musclés, tatoués jusqu'au coude. Il avait le regard dur et les cheveux clairs. Les lunettes d'Ophélie devinrent bleues quand elle comprit que le tas de fourrure derrière lui n'était en fait qu'une seule et même fourrure. C'était un loup mort. Il était grand comme un ours. Elle tourna la page. Cette fois, le chasseur se tenait au milieu d'un groupe. Ils posaient ensemble devant un amoncellement de bois. Des bois d'élan, sans doute, sauf que chaque crâne faisait la taille d'un homme. Les chasseurs avaient tous le même regard dur, les mêmes cheveux clairs, les mêmes tatouages sur les bras, mais aucune arme sur eux, à croire qu'ils avaient tué les animaux de leurs mains. C'est clair. Et puis en plus, elle, ça fait pas trop belle, au final. Elle aime les livres. Elle est solitaire. Elle a un tablier, des lunettes. D'ailleurs, les personnages qu'ils lisent dans les romans ou dans les histoires, c'est tellement cliché. C'est toujours des... soit des personnes introverties, soit des personnes timides, romantiques... avec toujours la même coupe de cheveux, qui s'habille mal, enfin... C'est un truc que j'aime pas du tout... dans la littérature, c'est que souvent, il y a ce cliché encore plus en jeunesse. Oh, on fait que des hypothèses, là. On va voir. Elle le décrit pas comme hideux, elle le décrit comme massif, plutôt, parce que, de ce qu'on voit, il a été capable de tuer un animal à main nue. Donc c'est un peu effrayant. Ophélie feuilleta le carnet et retrouva ses chasseurs, qui posaient devant d'autres carcasses. Des morses, des mammouths et des ours, tous d'une taille invraisemblable. Ophélie referma lentement le carnet et le rangea à sa place. Des bêtes. Ces animaux frappés de gigantisme, elle en avait déjà vu dans des imagiers pour enfants, mais cela n'avait rien à voir avec les croquis d'Augustus. Son petit musée ne l'avait pas préparé à cette vie-là. Ce qui la choquait par-dessus tout, c'était le regard des chasseurs, un regard brutal, arrogant, habitué à la vue du sang.
Ophélie espérait que son fiancé n'aurait pas ce regard-là. « Alors ?» demanda le grand-oncle quand elle revint vers lui. « Je comprends mieux vos réticences, » dit-elle. Il reprit ses recherches de plus belle. « Je vais te trouver autre chose, » grommela-t-il. « Ces croquis sont quand même vieux de 150 ans, et puis ils ne montrent pas tout. » C'est justement ce qui inquiétait Ophélie. Ce que Augustus ne montrait pas. Elle n'en dit rien toutefois et se contenta de hausser les épaules. Un autre que son grand-oncle se serait mépris sur sa nonchalance et l'aurait confondu avec une certaine faiblesse de caractère. Ophélie semblait tellement placide derrière ses rectangles de lunettes et ses paupières mi-closes qu'il était presque impossible de deviner que des vagues d'émotions s'entrechoquaient violemment dans sa poitrine. Bonsoir. Les croquis de chasse lui avaient fait peur. Ophélie se demanda si c'était réellement cela qu'elle était venue chercher ici aux archives. Un appel d'air souffla entre ses chevilles, soulevant mollement sa robe. Cette brise venait de la bouche d'escalier qui descendait vers le deuxième sous-sol. Ophélie fixa un moment le passage barré d'une chaîne où se balançait le panneau d'avertissement, interdit au public. Il y avait toujours un courant d'air qui traînait dans les salles des archives, mais Ophélie ne put s'empêcher d'interpréter cela comme une invitation. Le deuxième sous-sol réclamait sa présence maintenant. Elle tira sur le manteau de son grand-oncle perdu dans ses rapports, les fesses sur son escabelle. « M'autorisiez-vous à descendre ?»« Tu sais bien que j'ai normalement pas le droit, » marmonna le grand-oncle avec un froissement de moustache. « C'est la collection privée d'Artémis, seuls les archivistes y ont accès. » Elle nous honore de sa confiance, nous ne devons pas en abuser. Je n'ai pas l'intention de lire les mains nues, rassurez-vous, promit Ophélie en lui montrant ses gants. Et puis, je ne vous demande pas la permission en tant que petite nièce, je vous la demande en tant que responsable du musée familial. Oui, oui, je connais la ritournelle, soupira-t-il. C'est ma faute aussi, j'ai trop d'étain sur toi. Il y a un détail typographique, le lire c'était écrit en italique, donc peut-être qu'ils lisent pas de la même manière que nous dans ce livre. Ophélie décrocha la chaîne et descendit l'escalier, mais les veilleuses ne se mirent pas en marche. « Lumière, s'il vous plaît !» demanda Ophélie plongée dans l'obscurité. Elle dut le répéter plusieurs fois. Le bâtiment des archives désapprouvait cette nouvelle entorse au règlement. Il finit par allumer les veilleuses à contre-cœur. Ophélie dut se contenter d'un éclairage clignotant. La voix du grand-oncle se répercuta de mur en mur jusqu'au deuxième sous-sol. « Tu ne touches qu'avec les yeux, hein ? Je me méfie de ta maladresse comme de la petite vérole !» Mais au fond des poches, Ophélie s'avança dans la salle voûtée d'ogives. Elle passa sous un fronton où était gravée la devise des archivistes. « Artémis, nous sommes les gardiens respectueux de ta mémoire. » Bien à l'abri sous leurs cloches de verre, les reliquaires s'étendaient à perte de vue. Oui, pour répondre à ta question. Si elle tenait parfois de l'adolescence mal grandie, avec ses longs cheveux indomptés, ses mouvements gauches et sa timidité tapis derrière ses lunettes, Ophélie se coulait dans une autre peau en présence de l'histoire. Toutes ses cousines prisaient les jolis salons de thé, les promenades au bord du fleuve, les visites aux eaux et les salles de bal. Pour Ophélie, le deuxième sous-sol des archives était le lieu le plus fascinant du monde. C'est là qu'était jalousement conservé, bien à l'abri, sous des cloches de protection, l'héritage commun de toute la famille. Ici reposaient les documents de la toute première génération de l'Arche. Ici avaient échoué les lendemains de l'an zéro. Ici, Ophélie s'approchait au plus près de la déchirure. La déchirure, c'est son obsession professionnelle. Elle rêvait parfois qu'elle courait après une ligne d'horizon qui se dérobait toujours à elle. Nuit après nuit, elle allait de plus en plus loin, mais
C'était un monde sans fin, sans cassure, rond et lisse, comme une pomme. Ce premier monde dont elle collectionnait les objets dans son musée, machine à coudre, moteur à explosion, presse à cylindre, métronome. Ophélie n'éprouvait aucune inclination pour les garçons de son âge, mais elle pouvait passer des heures en tête-à-tête avec un baromètre de l'ancien monde. Elle se recueillit devant un vieux parchemin protégé, sous verre. C'était le texte fondateur de l'Arche, celui qui avait lié Artémis à sa descendance à Anima. Le reliquaire suivant renfermait la première monture de leur arsenal juridique. On y retrouvait déjà les lois qui avaient été attribuées aux mères de famille et aux matriarches, un pouvoir décisif sur l'ensemble de la communauté. Sous la cloche d'un troisième reliquaire, un codex reprenait les devoirs fondamentaux d'Artémis envers sa descendance. Et veillait à ce que chacun mangeât à sa faim, eut un toit pour s'abriter, reçut une instruction, apprit à faire bon usage de son pouvoir. En lettres capitales, une clause spécifique, elle ne devait ni abandonner sa famille, ni quitter son arche. Était-ce Artémis qui s'était dictée à elle-même cette ligne de conduite afin de ne pas se relâcher au fil des siècles? Ophélie se promena ainsi de reliquaire en reliquaire. Au fur et à mesure qu'elle plongeait dans le passé, elle sentit un grand calme descendre en elle. Elle perdait un peu l'avenir de vue. Elle oubliait qu'on la fiançait contre son gré, elle oubliait le regard des chasseurs, elle oubliait qu'on l'enverrait bientôt vivre loin de tout et de tout ce qui lui était cher. Le plus souvent, les reliquaires étaient des documents manuscrits de grande valeur, tels que les cartographies du Nouveau Monde ou l'acte de naissance du premier enfant d'Artémis, l'aîné de tous les animistes. Pour quelques-uns néanmoins, il s'agissait d'objets banals de la vie quotidienne, des ciseaux à cheveux qui cliquetaient dans le vide, une grossière paire de bicycles aux couleurs changeantes, un petit livre de contes dont les pages tournaient toutes seules. Ils n'étaient pas de la même époque, mais Artémis tenait à ce qu'ils fissent partie de sa collection à titre symbolique. Symbolique de quoi? Même elle ne s'en souvenait plus. Les pas d'Ophélie la dirigèrent d'instinct vers une cloche de verre sur laquelle elle posa respectueusement la main. Un registre y tombait en décomposition et son encre avait été pâlie par le temps. Il faisait le recensement des hommes et des femmes qui s'étaient ralliés à l'esprit de famille pour fonder une nouvelle société. Ce n'était en fait qu'une liste impersonnelle de noms et de chiffres, mais pas n'importe lesquels, ceux des survivants de la déchirure. Ces gens-là avaient été témoins de la fin de l'ancien monde. Ce fut à cet instant qu'Ophélie comprit, avec un petit choc dans la poitrine, quel était cet appel qu'il avait attiré aux archives du grand-oncle au fond du deuxième sous-sol. Devant ce vieux registre. Ce n'était pas le simple besoin de se documenter. C'était de retourner aux sources. Ses lointains ancêtres avaient assisté à la dislocation de leur univers. S'étaient-ils laissés mourir pour autant? Non. Ils s'étaient inventé une autre vie. Ophélie glissa derrière ses oreilles la mèche de cheveux qui lui roulait sur le front pour dégager son visage. Ses lunettes s'éclaircirent sur son nez, dispersant la grisaille qui s'y était accumulée depuis des heures. Elle était en train de faire l'expérience de sa propre déchirure. Elle avait toujours la peur au ventre, mais elle savait maintenant ce qu'il lui restait à faire. Elle devait relever le défi. Sur ses épaules, l'écharpe se mit à remuer. « Tu te réveilles enfin ?» la taquina Ophélie. L'écharpe roula mollement le long de son manteau, changea de position, resserra ses anneaux autour de son cou et ne bougea plus. C'était une très vieille écharpe, elle passait son temps à dormir. « On va remonter, » lui dit Ophélie, « j'ai trouvé ce que je cherchais. » Alors qu'elle s'apprêtait à rebrousser chemin, elle tomba sur le reliquaire le plus poussiéreux, le plus énigmatique et le plus dérangeant de toute la collection d'Artémis. Elle ne pouvait pas partir sans lui faire ses adieux. Elle tourna une manivelle et les deux plaques du dôme protecteur glissèrent l'une et l'autre dans un sens opposé. Elle coucha sa paume gantée sur la reliure du livre. Le livre et fut envahi par la même frustration qu'elle avait ressentie la première fois à ce contact. Elle ne pouvait lire la trace d'aucune émotion, d'aucune pensée, d'aucune intention, d'aucune origine.
Et ce n'était pas seulement à cause de ses gants, dont la trame spéciale dressait un barrage entre ses dons de liseuse et le monde des objets aînants. Ophélie avait déjà palpé une fois le livre les mains nues, comme d'autres liseurs avaient avant elle, mais il refusait de se révéler tout simplement. Elle le prit dans ses bras, caressa sa reliure, fit rouler les pages souples entre ses doigts. Ils étaient entièrement parcourus d'étranges arabesques, une écriture oubliée depuis très longtemps. Jamais de sa vie, Ophélie n'avait manipulé quelque chose se rapprochant d'un tel phénomène. Était-ce seulement un livre, après tout ? Ce n'avait ni la consistance du vélin, ni celle du papier chiffon. C'était terrible à admettre, mais ça ressemblait à de la peau humaine, vidée de son sang. Une peau qui bénéficierait d'une longévité exceptionnelle. Ophélie se posa alors les questions rituelles qu'elle partageait avec de nombreuses générations d'archivistes et d'archéologues. Quelle histoire racontait cet étrange document ? Pourquoi Artémis tenait-elle à ce qu'il figurât dans sa collection privée ? Et à quoi rimait ce message gravé dans le socle du reliquaire ? N'essayez sous aucun prétexte de détruire ce livre. Ophélie emportait toutes ses interrogations avec elle à l'autre bout du monde. Là où il n'y avait ni archives, ni musées, ni devoirs de mémoire. Rien qui la concernait, du moins. La voix du grand-oncle résonna le long de l'escalier et rebondit longtemps sous la voûte basse du deuxième sous-sol, en un écho fantomatique. « Remonte ! Je t'ai dégoté un petit quelque chose !» Ophélie posa une dernière fois sa paume sur le livre et referma le dôme. Elle avait fait ses adieux au passé, en bonne et due forme. Place à l'avenir, maintenant. Chapitre 3, le journal. Samedi 19 juin. 19 juin. Putain. Rodolphe et moi sommes bien arrivés. Le pôle se révèle très différent de tout ce à quoi je m'attendais. Je crois que je n'ai jamais eu autant le vertige de ma vie. Madame l'ambassadrice nous a aimablement reçus dans son domaine où il règne une éternelle nuit d'été. Je suis éblouie par tant de merveilles. Les gens d'ici sont courtois, très prévenants, et leur pouvoir dépasse l'entendement. Puis-je vous interrompre dans votre occupation, ma cousine ? Ophélie sursauta et ses lunettes avec elle. Plongée dans le carnet de voyage de l'aïeule Adélaïde, elle n'avait pas vu venir ce petit bout d'homme, chapeau melon à la main, un sourire étalé entre deux oreilles décollées. Le gringalet n'avait certainement pas beaucoup plus d'une quinzaine d'années. D'un ample moulinet du bras, il désigna une bande de joyeux drilles qui s'esclaffaient devant une vieille machine à écrire non loin de là. « Mes cousins et moi, nous demandions si vous nous accorderiez la permission de lire quelques-uns des bibelots de votre auguste musée. » Ophélie ne put réprimer un froncement de sourcils. Elle n'avait bien sûr pas la prétention de connaître personnellement chaque membre de la famille qui poussait le tourniquet à l'entrée du musée d'histoire primitive, mais elle était certaine de n'avoir jamais eu affaire à ces lascars. De quelle branche de l'arbre généalogique venait-il ? La corporation des chapeliers, la caste des tailleurs, la tribu des pâtissiers. En tout cas, il sentait la farce à plein nez. « Je suis à vous tout de suite, » dit-elle en reposant sa tasse de café. Ses soupçons se précisèrent quand elle s'enfuit à la rencontre de la troupe de Monsieur Chapeau Melon. Il y avait beaucoup trop de sourires dans l'air. « Voilà la pièce unique du musée !» recoula un compère avec un regard éloquent pour Ophélie. L'ironie manquait, selon elle, d'un peu de subtilité. Elle savait qu'elle n'était pas attrayante avec sa natte ratée qui recrachait des ailes sombres sur ses joues, son écharpe à la traîne, sa vieille robe de brocart, ses bottines dépareillées et cette incurable gaucherie qui lui collait à la peau. Elle n'avait pas lavé ses cheveux depuis une semaine et s'était habillée avec les premiers vêtements qui lui étaient tombés sous la main, sans se soucier de leur assortiment. Ce soir, pour la première fois, Ophélie rencontrerait son fiancé. Il était venu du pôle spécialement pour se présenter à la famille. Il resterait quelques semaines, puis il emporterait Ophélie dans le Grand Nord. Avec un peu de chance, il la trouverait tellement repoussante qu'il renoncerait sur le champ à leur union. « Ne touchez pas à cela » dit-elle à l'adresse d'un grand dadais qui approchait ses doigts d'un galvomètre balistique. « Qu'est-ce que vous marmottez, cousine ? » s'exclava-t-il. « Parlez plus fort, je ne vous ai pas entendu !»
« Ne touchez pas à ce galvomètre, » dit-elle en poussant sur sa voix. « Je vais vous proposer des échantillons réservés à la lecture. » Le grand dadais haussa les épaules. « Oh, je voulais simplement voir comment ce bazar fonctionne. De toute façon, je ne sais pas lire. » Le contraire eut étonné Ophélie. La lecture d'objets n'était pas une faculté répandue parmi les animistes. Elle se manifestait parfois à la puberté, sous forme d'intuition précise au bout des doigts, mais elle périclitait en quelques mois si elle n'était pas rapidement prise en charge par un éducateur. Son grand-oncle avait joué ce rôle auprès d'Ophélie. Après tout, leur branche travaillait dans la préservation du patrimoine familial. Remonter le passé des objets au moindre contact, rares étaient les animistes qui souhaitaient s'encombrer d'un tel fardeau, a fortiori, si ce n'était pas leur métier. Ophélie jeta un regard bref à Chapeau Melon, qui touchait les redingotes de ses compagnons en ricanant. Lui, il savait lire, probablement, mais pas pour très longtemps encore. Il voulait jouer avec ses mains tant qu'il le pouvait. « Le problème n'est pas là, cousin, » observa calmement Ophélie en revenant au grand dadais. « Si vous désirez manipuler une pièce de la collection, vous devez porter des gants comme les miens. » Depuis le dernier décret familial sur la conservation du patrimoine, il était interdit d'aborder des archives les mains nues, sans autorisation spéciale. Entrer en contact avec un objet, c'était le contaminer de son propre état d'esprit, ajouter une nouvelle strate à son histoire. Trop de personnes avaient souillé de leurs émotions et de leurs pensées des exemplaires rares. Ophélie se dirigeait vers son tiroir à clé. Elle l'ouvrit trop grand. Le tiroir lui resta dans les mains et tout son contenu se répandit sur le carrelage dans une joyeuse cacophonie. Ophélie entendit ricaner dans son dos tandis qu'elle se penchait pour ramasser les clés. Chapeau Melon vint l'aider avec son sourire narquois. Il ne faut pas se moquer de notre dévouée cousine. Elle va mettre à ma disposition un peu de lecture pour me cultiver. Son sourire se fit carnassier. Je veux quelque chose de corsé, dit-il à Ophélie. Vous n'auriez pas une arme, un truc de guerre, vous savez? Ophélie remit le tiroir à sa place et récupéra la clé dont elle avait besoin. Les guerres de l'ancien monde faisaient fantasmer la jeunesse qui ne connaissait que les petites querelles de famille. Ses blancs becs ne cherchaient qu'à s'amuser. Les moqueries sur sa petite personne l'indifféraient, mais elle ne tolérait pas qu'on montrât si peu de considération pour son musée, surtout aujourd'hui. Elle était déterminée à rester professionnelle, jusqu'au bout toutefois. « Veuillez me suivre, » dit-elle la clé à la main. « Soumettez-moi vos échantillons, » chantonna Chapeau Melon avec une caricature de révérence. Elle les conduisit jusqu'à la rotonde, réservée aux machines volantes du premier monde, la section la plus populaire de sa collection. Ornithoptères, aéroplanes, amphibies, oiseaux mécaniques, hélicoptères à vapeur, quadriplans et hydravions étaient suspendus à des câbles comme de grandes libellules. La troupe pouffa de plus belle à la vue de ces antiquités, battant des bras comme des oies. Chapeau Melon, qui mastiquait une pâte à mâcher depuis un moment, la colla sur la coque d'un planeur. Ophélie le regarda faire sans ciller. Ça, c'était le geste de trop. Il voulait épater la galerie? Eh bien, ils allaient rire. Elle leur fit monter l'escalier d'un entresol, puis ils longèrent des étagères vitrées. Ophélie glissa sa clé dans la serrure d'un rayonnage, fit coulisser la vitre et saisit dans un mouchoir un minuscule bille de plomb qu'elle tendit à Chapeau Melon. Une excellente entrée en matière pour se cultiver sur les guerres de l'ancien monde, assura-t-elle d'une voix plate. Il éclata de rire en s'emparant de la bille à la main nue. Que me présentez-vous là? Une crotte d'automate? Son sourire s'évanouit au fur et à mesure qu'il remontait le passé de l'objet du bout des doigts. Il devint pâle et immobile, comme si le temps s'était cristallisé autour de lui. En voyant sa tête, ses compagnons hilares donnèrent d'abord du coude contre ses côtes, puis ils finirent par s'inquiéter de son manque de réactivité. Vous lui avez refilé une saleté, paniqua l'un d'entre eux. C'est une pièce très appréciée des historiens, démentit Ophélie d'un ton professionnel. De blême, Chapeau Melon devint gris. Ce n'est pas ce que je demandais, articula-t-il difficilement. Avec son mouchoir, Ophélie récupéra le plomb
et le rangea sur son coussinet rouge. Vous vouliez une arme, n'est-ce pas? Je vous ai remis le projectile d'une cartouche qui a en son temps perforé le ventre d'un troupier. C'était cela la guerre, conclut-elle, en remontant ses lunettes sur son nez. Des hommes qui tuaient des hommes et des hommes qui étaient tués. Comme Chapeau-Melon se tenait le ventre d'un air nauséeux, elle se radoucit quelque peu. La leçon était rude, elle en était consciente. Ce garçon était venu avec des épopées héroïques en tête, et lire une arme, c'était comme regarder sa propre mort en face. « Ça va passer, » lui dit-elle. « Je vous conseille d'aller respirer l'air du dehors. » La troupe s'en fut, bon sang lui décochait quelques coups d'œil mauvais par-dessus l'épaule. L'un d'eux la traita de malnipée et un autre de sac à patates binoclard. Ophélie espérait que son fiancé se ferait les mêmes réflexions tout à l'heure. Armée d'une spatule, elle s'attaqua à la pâte à mâcher que Chapeau-Melon avait collée sur le planeur. « Je te devais bien une petite revanche, » chuchota-t-elle en caressant affectueusement le flanc de l'appareil, comme elle l'aurait fait d'un vieux cheval. « Ma chérie, je t'ai cherché partout !» Ophélie se retourna, jupe relevée, son ombrelle pincée sous le bras. Une magnifique jeune femme était en train de trotter dans sa direction en faisant claquer ses bottines blanches sur le dallage. C'était Agathe, sa sœur aînée aussi rousse, aussi coquette, aussi éblouissante que sa cadette était brune, négligée et renfermée. Le jour et la nuit. Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Ophélie essaya de se débarrasser de la patte de Chapeau-Melon, mais elle collait à ses gants. Je te rappelle que je travaille au musée jusqu'à 6 heures. Agatha serra théâtralement ses mains dans les siennes. Elle grimaça aussitôt, elle venait d'écraser sur son joli gant la gomme à mâcher. Plus maintenant, sotte ! S'agaça-t-elle en secouant sa main. « Maman a dit que tu devais songer uniquement à te préparer. »« Oh, petite sœur, » sanglota-t-elle en se jetant contre elle, « tu dois être tellement excitée. » Parvint seulement à expirer Ophélie. Agathe se détacha aussitôt d'elle pour la jauger de haut en bas. « Nom d'une bouillotte, tu t'es regardée dans une glace. Tu ne peux décemment pas te montrer à ton promis dans cet état. Que penserait-il de nous ?»« Ça, c'est le cadet de mes soucis. » déclara Ophélie en se dirigeant vers son comptoir. Eh bien, tel n'est pas le cas de ta parentèle, petite égoïste. Nous allons remédier à cela de ce pas. Avec un soupir, Ophélie sortit son vieux cabas et rangea ses effets personnels. Si sa sœur se sentait investie d'une mission sacrée, elle ne la laisserait pas travailler en paix. Il ne lui restait plus qu'à fermer le musée. Pendant qu'Ophélie prenait tout son temps pour rassembler ses affaires, une pierre au fond du ventre, Agathe trépignait d'impatience. Elle s'assit sur le comptoir, ses bottines blanches batifolant sous les pantalons de dentelle. J'ai des potins pour toi, et des beaux. Ton mystérieux présent prétendant a enfin un nom. Merci pour ta souscription. Pour la peine, Ophélie sortit la tête de son cabas. Quelques heures avant leur présentation officielle, il était temps. Sa future belle-famille avait dû faire des recommandations spéciales pour bénéficier de la plus totale discrétion. Les doyennes s'étaient montrées muettes comme des tombes durant tout l'automne, ne divulguant aucune information au sujet du fiancé, à un point que c'en était devenu ridicule. La mère d'Ophélie, très vexée de ne pas être mise dans la confidence, ne décolérait pas depuis 2 mois. Alors, demanda-t-elle comme Agathe savourait son petit effet. « Monsieur Thorne !» Ophélie frissonna sous les replis de son écharpe. « Thorne ?» Elle était déjà allergique à ce nom. Il sonnait dur sous la langue, abrupt, presque agressif. Un nom de chasseur. Merci pour le compliment, mais c'est un peu me surestimer que de penser que je pourrais travailler chez Audible. Je sais pas si t'écoutes des audiobooks, mais la lecture est clairement au-dessus de la mienne.
Je sais aussi que ce cher monsieur ne sera pas ton aîné de beaucoup, Sœurette. Ton époux n'aura rien d'un vieux sénile incapable d'honorer sa famille. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin, enchaîna Agathe sans reprendre son souffle. Tu n'échoueras pas dans un petit trou perdu. Crois-moi, les doyennes ne se sont pas moquées de nous. Monsieur Thorne aurait une tante aussi belle qu'influente qui lui assure une excellente situation à la cour du pôle. Tu vas mener une existence de princesse. Les yeux brillants, Agathe triomphait. Ophélie, elle, était encore plus catastrophée. Thorne, un homme de cour? Elle aurait encore préféré un chasseur. Plus elle en apprenait sur son futur époux, plus il lui inspirait l'envie de prendre ses jambes à son cou. Et quelles sont tes sources? Agathe redressait sa coiffe d'où s'évadaient de frétillantes bouclettes rousses. Sa bouche en cerise plissait un sourire satisfait. « Du solide ! Mon beau-frère Gérard tient ses renseignements de son arrière-grand-mère qui les tient elle-même d'une proche cousine qui est la sœur jumelle en personne d'une doyenne. » Avec des mains de gamine, elle claqua dans ses mains. Avec des manières de gamine, elle claqua dans ses mains et bondit sur ses bottillons. « Tu t'es fait passer une sacrée bague au doigt, ma chérie !» Qu'un homme de cette position et de ce rang te réclame toi en mariage, c'était inespéré. Allez, presse-toi de ranger ton capharnaüm. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant l'arrivée de Monsieur Thorne. Il faut te rendre convenable. Par devant, murmura Ophélie, en fermant les agrafes de son cabas. Je dois accomplir une dernière formalité. Sa sœur s'éloignait en quelques petits pas gracieux. Je vais nous réserver un fiacre. Ophélie demeura longtemps immobile derrière son comptoir. Le silence brutal qui était retombé sur les lieux après le départ d'Agathe lui faisait presque mal aux oreilles. Elle rouvrit au hasard le journal de son aïeul et parcourut des yeux l'écriture fine et nerveuse, vieille de presque un siècle, qu'elle connaissait désormais par cœur. Mardi 6 juillet. Je me vois obligée de modérer quelque peu mon enthousiasme. Madame l'ambassadrice est partie en voyage, nous laissant aux mains de ses innombrables invités. J'ai l'impression que nous avons été complètement oubliés. Nous passons nos journées à jouer aux cartes et à nous promener dans les jardins. Mon frère s'accommode mieux que moi de cette vie oisive, il s'est déjà entiché d'une duchesse. Je vais devoir le rappeler à l'ordre, nous sommes ici pour des raisons purement professionnelles. Ophélie était déboussolée. Ce journal et les potins d'Agathe ne collaient pas du tout avec les croquis d'Augustus. Le pôle lui apparaissait maintenant comme un endroit excessivement raffiné. Thorne était-il un joueur de cartes? C'était un homme de cour, il devait sûrement jouer aux cartes. Il n'avait probablement que cela à faire de sa journée. Ophélie rangea le petit carnet de voyage dans une housse de feutre et le fourra au fond de son cabas. Derrière le comptoir d'accueil, elle ouvrit la battante d'un écritoire pour en sortir le registre d'inventaire. Il était arrivé plusieurs fois à Ophélie d'oublier les clés du musée dans une serrure, de perdre des documents administratifs importants, et même de casser des pièces uniques, mais s'il y avait un devoir qu'elle n'avait jamais négligé, c'était la tenue de ce registre. Ophélie était une excellente liseuse, l'une des meilleures de sa génération. Elle pouvait déchiffrer le vécu des machines, strate après strate, siècle après siècle, au fil des mains qui les avaient tâtées, utilisées, affectionnées, endommagées, rafistolées. Cette aptitude lui avait permis d'enrichir le descriptif de chaque pièce de la collection avec un sens du détail jusqu'alors inégalé. Là où ses prédécesseurs se cantonnaient à décortiquer le passé d'un ancien propriétaire, de deux à la rigueur, Ophélie remontait à la naissance de l'objet entre les doigts de son fabricant. Ce registre d'inventaire, c'était un peu son roman personnel. L'usage voulait qu'elle le remît en main propre à son successeur, une procédure qu'elle n'aurait jamais pensé appliquer si tôt dans sa vie, mais personne n'avait encore répondu à l'appel de candidature. Ophélie glissa donc sous la reliure une note à l'intention de celui ou celle qui prendrait la relève du musée. Elle rangea le registre dans l'écritoire et verrouilla la battante en tour de clé. Avec des mouvements ralentis, elle prit ensuite appui sur son comptoir à deux mains. Elle s'obligea à respirer profondément, à accepter l'inéluctable. Cette fois-ci, c'était vraiment fini. Demain, elle n'ouvrirait pas son musée comme chaque jour. Demain, elle dépendrait à jamais d'un homme dont elle finirait par porter le nom.
Madame Thorne. Autant s'y faire dès à présent. Ophélie empoigna son cabas. Elle contempla son musée pour la dernière fois. Le soleil traversait la verrière de la rotonde dans une cascade de lumière, auréolant d'or les antiquités et projetant sur le carrelage leur ombre désarticulée. Jamais elle n'avait trouvé cet endroit aussi beau. Ophélie déposa les clés dans la loge du concierge. Elle n'était pas passée sous la marquise du musée dont la vitre était noyée sous un manteau de feuilles mortes que sa sœur l'apostropha de la portière d'un fiacre. « Monte ! Nous allons rue des Orfèvres !» Le cocher fit claquer son fouet, bien qu'aucun cheval ne fût attelé à sa voiture. Les roues s'ébranlèrent et le véhicule dégringola le long du fleuve, guidé par la seule volonté de son maître du haut de son perchoir. Par la vitre arrière, Ophélie observa le spectacle de la rue avec une acuité nouvelle. Cette vallée où elle était née semblait se dérober à elle au fur et à mesure que le fiacre la traversait. Ses façades à colombages, ses places de marché, ses belles manufactures étaient déjà tout en train de lui devenir étrangères. La ville entière lui disait que ce n'était plus chez elle ici. Dans la lumière rousse de cette fin d'automne, les gens menaient leur existence de tous les jours. Une nourrice dirigeait sa poussette en rougissant sous les sifflements appréciateurs des ouvriers juchés en haut des échafaudages. De jeunes écoliers croquaient leur marron chaud sur le chemin de la maison. Un coursier cavalait le long du trottoir avec un paquet sous le bras. Tous ces hommes, toutes ces femmes, étaient de la famille d'Ophélie, elle n'en connaissait pas la moitié. D'où ce besoin d'avoir une attestation de consanguinité, là, de non-consanguinité, si c'est tous ses cousins. Hein. Le souffle brûlant d'un tramway doubla leur équipage dans un bruit de sonnette. Quand il disparut, Ophélie contempla la montagne, sillonnée de lacets, qui surplombait leur vallée. C'étaient les premières neiges, là-haut. Le sommet avait disparu sous une chape de grisaille. On ne pouvait même plus distinguer l'observatoire d'Artémis. Écrasé sous cette masse froide, des roches et de nuages, écrasé sous la loi de toute une famille, Ophélie ne s'était jamais sentie aussi insignifiante. Agathe claqua des doigts sous son nez. « Bon, là, punaise, parlons vite, parlons bien. Ton trousseau est à revoir. Il te faut des toilettes neuves, des souliers, des chapeaux, de la lingerie, beaucoup de lingerie. » « J'aime mes robes, » trancha Ophélie. « Tais-toi donc, tu t'habilles comme notre grand-mère. Nom d'un bigoudi, ne me dis pas que tu portes encore cette paire de vieilles mochetées. » se révulsa Agathe en prenant les gants de sa sœur dans les siens. « Maman t'en a commandé une pleine cargaison chez Julien. » « Ils ne font pas de gants de liseur au pôle. Je dois me montrer économe. » Agathe était insensible à cette sorte d'argument. La coquetterie et l'élégance justifiaient tous les gaspillages du monde. « Secoue-toi que diantre, tu vas me redresser ce dos, me rentrer ce ventre, mettre un peu en valeur ce corsage, poudrer ce nez, farder ses joues et par pitié, change-moi la couleur de tes lunettes, ce gris est d'un sinistre. « Quant à tes cheveux, » soupira Agathe en soulevant la natte brune du bout des ongles, « ce serait moi, je te raserais tout cela pour repartir sur du neuf. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Descends vite, nous y sommes. » Ophélie traîna des semelles de plomb. À chaque jupon, à chaque corset, à chaque collier qu'on lui présenta, elle répondit par un refus de la tête. La couturière dont les longs doigts animistes modelaient les étoffes sans fil ni ciseaux en pleura de rage. Au bout de deux crises de nerfs et une dizaine de boutiquiers, Agathe n'avait réussi à convaincre sa petite sœur que de remplacer ses bottines dépareillées. Au salon de coiffure, Ophélie ne mit guère plus de cœur à l'ouvrage. Elle ne voulait entendre parler ni de poudre, ni d'épilation, ni de fer à friser, ni de ruban à la dernière mode. « J'en ai de la patience avec toi, » fulmina Agathe en relevant tant bien que mal ses lourdes mèches de façon à dégager sa nuque. « Tu crois que j'ignore tout ce que tu ressens ?» J'avais 17 ans quand on m'a fiancée à Charles, et maman 2 de moins quand elle a épousé papa. Voilà ce que nous sommes devenus, des épouses rayonnantes, des mères comblées, des femmes accomplies. Tu as été surprotégée par notre grand-oncle, il ne t'a pas rendu service. » Avec un regard flou, Ophélie contempla son visage dans la glace de la coiffeuse, en face d'elle, tandis que sa sœur débattait avec ses nœuds.
Sans ses mèches rebelles et sans ses lunettes rangées sur le plateau à peigne, elle se sentait nue. Dans le miroir, elle vit la forme rousse d'Agathe coller son menton sur le sommet de sa tête. « Ophélie, lui murmura-t-elle, tu pourrais plaire avec un peu de bonne volonté. »« À quoi bon? Plaire à qui? Mais à Monsieur Thorn, bougresse !» s'agaça sa sœur en lui administrant une tape sur la nuque. « Le charme est la meilleure arme offerte aux femmes. Il faut en servir sans scrupule. Il suffit d'un rien. Une œillade inspirée, un sourire bien appuyé pour mettre un homme à ses pieds. Regarde Charles, j'en fais ce que je veux. » Ophélie planta ses yeux dans ceux de son reflet, des prunelles à l'arôme de chocolat. Sans lunettes, elle se voyait mal, mais elle devina l'ovale mélancolique de son visage, la pâleur de ses joues, son cou blanc qui palpitait sous le col, l'ombre d'un nez sans caractère et ses lèvres trop fines qui n'aimaient pas parler. Elle essaya un timide sourire, mais il sonnait tellement faux qu'elle le ravala net. Avait-elle du charme? À quoi le reconnaissait-on? Au regard d'un homme? Serait-ce le regard de Thorn, celui qu'il poserait sur elle ce soir? L'idée lui parut tellement grotesque qu'elle en aurait ri de bon cœur si sa situation n'avait été morose à en pleurer. « As-tu fini de me torturer ?» demanda-t-elle à sa sœur qui tirait sur ses cheveux sans ménagement. « Presque. » Agathe se tourna vers la gérante du salon pour réclamer des épingles. Cet instant d'inattention était tout ce dont Ophélie avait besoin. Elle remit précipitamment ses lunettes, empoigna son cabas et plongea tête baissée dans le miroir de la coiffeuse à peine assez large pour elle. Son buste émargea dans la glace murale de sa chambre, quelques quartiers plus loin, mais elle ne put aller plus avant. De l'autre côté du miroir, Agathe l'avait agrippée par les chevilles pour la ramener rue des Orfèvres. Ophélie lâcha son cabas et prit appui sur le mur recouvert de papier peint, luttant de toutes ses forces contre la poigne de sa sœur. Sans cri égard, elle bascula tout de bon dans la chambre, renversant au passage un tabouret et le pot de fleurs qui se trouvait dessus. Un peu sonnée, elle contempla bêtement le pied déchaussé qui pointait sous sa robe. Une bottine de sa nouvelle paire était restée avec Agathe, rue des Orfèvres. Sa sœur ne savait pas franchir les miroirs, voilà qui lui laissait un répit. Ophélie récupéra son cabas sur le tapis, claudiqua jusqu'à un massif coffre de bois au pied de lit superposé et s'y assit. Elle remonta ses lunettes sur son nez et observa la petite pièce encombrée de malles et de boîtes à chapeau. Ce désordre-là n'était pas son désordre habituel. Cette chambre qu'il avait vue grandir sentait déjà le départ. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, une lecture, ça peut vachement jouer. Il y a certaines personnes qui... C'est pas qu'ils gâchent le texte, mais qui ont une voix tellement monotone que ça rend l'histoire ennuyante. En ce moment, j'écoute un livre aussi sur Audible et j'ai le même sentiment. Mais il y a des conteurs qui sont vraiment doués. Mais généralement, ceux qui sont vraiment doués, c'est des acteurs, en fait. C'est pas des gens... Enfin, c'est des gens de profession. Oui, on m'en parle souvent. À l'époque. Je sais pas si ça existe encore. Je vais juste faire une pause pour boire parce que si je m'hydrate pas là, ma lecture elle va dépérir déjà que ça commence à être complexe. Il faut que je fasse mes mouvements de bouche. Du coup, je vous retrouve dans 5 minutes.
Me revoilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Du coup. J'ai coupé un peu de manière abrupte dans le chapitre. On va revenir un petit peu en arrière. Donc, elle s'est échappée de la rue des Orfèvres. Elle se retrouve dans sa chambre et elle sort le journal de l'aïeule Adélaïde, du journal qu'elle a emprunté du coup aux archives. D'ailleurs, je me demande si elle a le droit de faire ça. Dimanche 18 juillet. Toujours aucune nouvelle de Madame l'ambassadrice. Les femmes d'ici sont charmantes et je crois qu'aucune de mes cousines d'Anima ne les égale en grâce et en beauté, mais je me sens parfois mal à l'aise. J'ai l'impression qu'elle n'arrête pas de faire des insinuations sur ma tenue, mes manières et ma façon de parler. Ou alors je me monte la tête. Pourquoi tu rentres si tôt ? Ophélie leva le nez vers le lit du dessus. Elle n'avait pas remarqué les deux souliers vernis qui dépassaient du matelas. Cette paire de jambes maigrelettes appartenait à Hector, le petit frère avec qui elle partageait sa chambre. Elle referma le carnet de voyage. Je fuis Agathe. Pourquoi ? Pourquoi ? De petites affaires féminines. Monsieur dit pourquoi veut des détails ? En aucune façon. Ophélie eut un sourire en coin. Son frère l'attendrissait, les souliers vernis disparurent du lit là-haut. Ils furent bientôt remplacés par des lèvres barbouillées de marmelade, un nez en trompette, une coupe au bol et des yeux placides. Hector avait le même regard qu'Ophélie, les lunettes en moins, imperturbable en toutes circonstances. Il tenait une tartine dont la confiture d'abricot ruisselait sur ses doigts. On avait dit pas de goûter dans la chambre, rappela Ophélie. Hector haussa les épaules et désigna de sa tartine le carnet de voyage sur sa robe. Pourquoi tu ressasses encore ce cahier? Tu le connais par cœur. Hector était ainsi. Il posait toujours des questions, et toutes ces questions commençaient toujours par « pourquoi ?»« Pour me rassurer, je suppose, » murmura Ophélie. De fait, Adélaïde lui était devenue familière au fil des semaines, presque intime. Et pourtant, Ophélie se sentait déçue, chaque fois qu'elle échouait sur la dernière page. Lundi 2 août. « Je suis tellement soulagée. Madame l'ambassadrice est revenue de voyage. » Rodolphe a enfin signé son contrat avec un notaire du seigneur Farouk. Je n'ai pas le droit d'en écrire davantage, secret professionnel oblige, mais nous rencontrerons leur esprit de famille demain. Si mon frère fait une présentation convaincante, nous allons devenir riches. Le journal s'achevait sur ces mots. Adélaïde n'avait jugé nécessaire ni d'entrer dans les détails, ni de retranscrire la suite des événements. Quel contrat son frère et elle avait-il signé avec l'esprit de famille Farouk ? Était-il devenu riche du pôle ? Vraisemblablement pas, cela se serait su. « Pourquoi tu ne le lis pas avec les mains ?» demanda encore Hector, qui broyait sa tartine entre ses dents en la mastiquant avec flegme. « Si je le pouvais, c'est ce que je ferais, moi. Je n'en ai pas le droit, et tu le sais. » En vérité, Ophélie avait été tentée d'ôter ses gants pour percer les petits secrets de son ancêtre, mais elle était trop professionnelle pour contaminer ce document de sa propre angoisse. Le grand-oncle aurait été très déçu si elle avait cédé à cette impulsion. Sous ses pieds, une voix sûre et aiguë traversa le plancher depuis l'étage inférieur. « Cette chambre d'invité, c'est une véritable catastrophe. Elle devrait être digne d'un homme de cour, il aurait fallu beaucoup plus de pompe et de décorum. Quelle piètre opinion, monsieur Thorne, va-t-il se faire de nous ?» Nous nous rattraperons sur leur pas de ce soir. Roselyne, file chez le restaurateur pour prendre des nouvelles de mes poulardes. Je te confie la direction des opérations. Et vous, mon pauvre ami, donnez un peu d'exemple. On ne marie pas sa fille tous les jours. Maman, commenta placidement Hector. Maman, confirma Ophélie sur le même ton. Ça ne lui donnait pas du tout envie de descendre. Alors qu'elle tirait sur la tenture fleurie de la fenêtre, le soleil couchant lui dora les joues, le nez et les lunettes. À travers un couloir de nuages empourpés de crépuscule, la lune se détachait déjà sur la toile mauve, comme une assiette en porcelaine.
Ophélie contempla longuement le versant de la vallée, blondi par l'automne, qui dominait leur demeure puis le passage des fiacres dans la rue, puis ses petites sœurs qui jouaient au cerceau dans la cour de la maison au milieu des feuilles mortes. Elle chantait des comptines, se lançait des défis, se tirait par la natte, passant du rire aux larmes et des larmes au rire avec une déconcertante facilité. Elles étaient des échos d'Agathe au même âge avec leur sourire enjôleur, leur bruyant babillage et leurs beaux cheveux blonds roux qui brillaient dans la lumière crépusculaire. Une bouffée de nostalgie envahit brutalement Ophélie. Ses yeux s'agrandirent, ses lèvres s'amincirent, son masque impassible craquelait. Elle aurait voulu galoper derrière ses sœurs, retrousser ses jupes sans pudeur et jeter des cailloux dans le jardin de la tante Roseline, comme cette époque lui semblait loin ce soir. Pourquoi tu pars? Ça va être la barbe de me retrouver seule avec toutes ces pestes. Ophélie se tourna vers Hector. Il n'avait pas bougé du lit superposé, occupé à se pourlécher les doigts, mais il avait suivi son regard à travers la fenêtre. Sous ses dehors flegmatiques, le ton était accusateur. Ce n'est pas ma faute, tu sais. Pourquoi tu n'as pas voulu te marier avec nos cousins, alors? La question lui fit l'effet d'une claque. C'est vrai. Hector avait raison. Elle n'en serait pas là si elle avait épousé le premier venu. Mais les regrets ne servent à rien, murmura-t-elle. Gare! Avertit Hector. Il s'essuyait la bouche d'un coup de manche et s'aplatit sur le lit. Un violent appel d'air souffla dans les robes d'Ophélie. Chignon défait et front luisant, sa mère venait de faire irruption dans la chambre comme une tornade. Le cousin Bertrand suivait derrière. « Je vais loger les petites ici, puisqu'elles ont cédé leur chambre aux fiancées de leur sœur. Ces mâles prennent toute la place, je ne m'en sors pas. Descends-moi celle-ci dans la remise et fais bien attention, c'est du... » La mère s'interrompit bouche bée quand elle aperçut la silhouette d'Ophélie qui se découpait dans le coucher du soleil. Par les ancêtres, je te croyais avec Agathe? Elle pinça ses lèvres d'indignation en décortiquant des yeux sa toilette de vieille dame et son écharpe ramasse-poussière. La métamorphose attendue n'avait pas eu lieu. La mère porta la main à sa large poitrine. Tu veux m'achever? Après tout le mal que je me donne pour toi, de quoi me punis-tu, ma fille? Ophélie sourcilla derrière ses lunettes. Elle s'était toujours affublée avec ce mauvais goût, pourquoi devrait-elle changer maintenant ses habitudes vestimentaires? Sais-tu seulement l'heure qu'il est? S'affola la mère, ses ongles vernis plaqués sur sa bouche. Nous devons monter à l'aérogare dans moins d'une heure. Où est passée ta sœur et moi qui suis affreuse? Sa père l'hypopète, jamais nous n'y serons à temps. Elle sortit un poudrier de son corsage, se tamponna un nuage rosé sur le nez, rembobina son chignon blond roux d'une main experte et pointa son ongle vers Ophélie. Je te veux présentable avant le prochain coup de l'horloge. Et c'est valable pour toi aussi, grand dégoûtant, gronda-t-elle à l'adresse du lit au-dessus. Tu sens la confiture séchée à plein nez, Hector. La mère se cogna au cousin Bertrand qui était demeuré là, les brins ballants. Et cette malle, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Dans un tourbillon de robe, l'orage s'enfuit de la chambre comme il était venu. Chapitre suivant, l'ours. Une pluie dense était tombée en même temps que le soir. Elle grésillait sur la charpente métallique en treillis, haute de 50 mètres, du hangar à dirigeable. Hissée sur un plateau voisin, cette base était la plus moderne de la vallée. Spécialement conçue pour accueillir les longs courriers, elle bénéficiait d'un chauffage à la vapeur et disposait de sa propre usine à hydrogène. Ses immenses portes, sur rails étaient grandes ouvertes, laissant voir des entrailles de fer forgé, de briques et de câbles, où s'activaient de nombreux ouvriers en gabardine. Au dehors, le long du quai aux marchandises, quelques lampadaires crachaient une lumière brouillée par l'humidité. Trempé jusqu'aux os, un gardien vérifiait les badges de protection sur les caisses postales en attente d'embarquement. Il tiqua quand il tomba sur une forêt de parapluies en plein milieu du quai.
Sous les parapluies se tenaient des hommes en redingotes, des femmes en guirlandais et des mômes soigneusement peignés. Ils restaient là, tous, silencieux et impassibles, à scruter les nuages. Excusez donc, mes bons cousins, on peut être utile à quelque chose ? Demanda-t-il. La mère d'Ophélie, dont le parapluie rouge dominait tous les autres, pointa l'horloge sur pied autour de laquelle ils avaient planté leur camp. Tout était énorme chez cette femme. Sa robe à tournure, sa gorge de grenouille, son chignon en choucroute et, dominant le tout, son chapeau de plume. Dites-moi déjà si cette heure est la bonne. Voilà bien une quarantaine de minutes que nous guettons le dirigeable en provenance du pôle. En retard comme à son habitude ? La renseigna le gardien avec un bon sourire. Vous attendez une livraison de fourrure ? Non, fils, nous attendons un visiteur. Le gardien loucha sur le nez en bec de corbeau qui venait de lui répondre. Ce nez appartenait à une dame d'un âge extrêmement avancé. Elle était tout de noir vêtue, depuis la mantue qui bordait ses cheveux blancs jusqu'au taffetas de sa robe à plastron. Les élégantes parsementeries en argent de sa toilette témoignaient de son statut de doyenne, mère parmi les mères. Le gardien ôta sa casquette en signe de respect. « Un envoyé du pôle, chère mère. Vous êtes certaine qu'il n'y a pas mépris sur la personne ? Je travaille sur les quais depuis que je suis gamin et je n'ai jamais vu un homme du Nord se traîner jusqu'ici pour autre chose que les affaires. Ils ne se mêlent pas à n'importe qui, ces gens-là. » Il pinça sa casquette pour les saluer et s'en retourna à ses caisses. Ophélie le suit des yeux, maussade, puis reporta son regard sur ses bottillons. À quoi bon en avoir mis une paire toute neuve ? Ils étaient déjà barbouillés de boue. Redresse le menton et évite de prendre l'eau, lui souffla Agathe, avec qui elle partageait un parapluie jaune citron. Et puis souris, tu es morose à pleurer. Ce n'est pas avec un gars de joie pareil que Monsieur Thorne grimpera au rideau. Sa sœur ne lui avait pas pardonné son escapade à travers le miroir, ça se sentait dans sa voix. Mais Ophélie l'écoutait à peine. Elle se concentrait sur le crépitement de la pluie qui recouvrait les battements affolés de sa poitrine. « C'est bon, pourquoi tu ne la laisses pas respirer ?» s'agaça Hector. Ophélie décocha un regard reconnaissant à son frère, mais il était déjà occupé à sauter dans les flaques avec ses petites sœurs, ses cousins et cousines. Ils incarnaient l'enfance qu'elle aurait voulu revivre une dernière fois ce soir, plein d'insouciance. Ils étaient déjà tous venus insister non pas à l'arrivée du fiancé, mais à celle du dirigeable. C'était un spectacle rare pour eux, une véritable fête. « C'est Agathe qui a raison, » déclara la mère sous son énorme parapluie rouge. « Ma fille respirera quand on le lui dira, et de la façon qu'on lui dira. N'est-ce pas, mon ami ?» La question purement protocolaire était réservée au père d'Ophélie, qui balbutia une vague formule d'assentiment. Ce pauvre homme dégarni et grisonnant, vieilli prématurément, était concassé par l'autorité de sa femme. Ophélie ne se rappelait pas l'avoir déjà entendu répondre non. Elle chercha des yeux son vieux parrain parmi la foule d'oncles, de tantes, de cousins et de neveux. Elle le trouva, qui boudait à l'écart des parapluies, engoncé jusqu'aux moustaches dans son imperméable bleu marine. Elle n'attendait de lui aucun miracle, mais le signe sympathique qu'il lui adressait de loin lui fit du bien. Ophélie avait de la vase dans la tête et de la confiture à la place du ventre. Son cœur cognait au fond de sa gorge. Elle aurait voulu que cette attente sous la pluie ne connût jamais de terme. Mais des exclamations alentour lui firent l'effet d'un coup de poignard. « Là, c'est lui !»« C'est pas trop tôt. » Ophélie leva les yeux vers les nuages, l'estomac noué. Une masse sombre en silhouette de baleine perçait la brume et se détachait sur la toile de la nuit, en émettant des craquements sinistres. Le ronronnement des hélices devint assourdissant. Les enfants hurlèrent de joie. Les jupons de dentelle se soulevèrent. Le parapluie jaune citron d'Ophélie et d'Agathe s'envola dans le ciel. Parvenu au-dessus de la piste d'atterrissage, le dirigeable largua ses cordes. Les ouvriers s'en emparèrent et tirèrent dessus de tout leur poids pour permettre à l'aérostat de descendre. Ils se cramponnèrent par dizaines aux rails de guidage manuel, l'aidèrent à s'engouffrer dans le grand hangar et l'amarrèrent au sol.
on aménageait une passerelle pour le débarquement. Portant des caisses et des sacs postaux à bras-le-corps, les membres de l'équipage débarquèrent. Toute la famille se pressa devant le hangar comme un essaim de mouches. Seule Ophélie était restée en arrière, ruisselante sous la pluie froide, ses longs cheveux bruns plaqués sur les joues. L'eau dégoulinait à la surface de ses lunettes. Elle ne voyait plus devant elle qu'une masse informe de robe, de jaquette et de parapluie. Par-dessus le brouhaha, la voix surpuissante de sa mère dominait. « Mais laissez-le passer, vous autres, faites place !»« Mon cher, mon très cher monsieur Thorne, soyez le bienvenu sur Anima. »« Comment donc? Vous êtes venu sans escorte ?»« Par les ancêtres, Ophélie. Où a-t-elle encore filé cette tête de lune ?»« Agathe, déconne-nous vite ta sœur. Quel temps infect, mon pauvre ami, vous seriez arrivé une heure plus tôt, nous vous aurions accueilli sans cette flotte. Que quelqu'un lui donne un parapluie. » Cloué sur place, Ophélie était incapable de bouger. Il était là. L'homme qui était sur le point de déstructurer sa vie était là. Elle ne voulait ni le voir ni lui parler. Agathe lui attrapa le poignet et lui fit traverser la famille en la traînant à sa suite. Enivrée de bruits et de pluie, à demi consciente, Ophélie passa de visage en visage jusqu'à tomber sur le poitrail d'un ours polaire. Hébétée, elle ne réagit pas quand l'ours marmonna un bonsoir glacé tout là-haut, loin au-dessus de sa tête. « Les présentations sont faites !» s'époumonna sa mère au milieu des applaudissements polis. « À vos fiacres ! Il ne s'agit pas non plus d'attraper la mort !» Ophélie se laissa pousser à l'intérieur d'un véhicule. Le fouet claqua l'air, les chaos secouèrent l'équipage. On alluma un lampion qui projeta une lueur roussâtre sur les passagers. L'averse semblait battre la chamade sur les carreaux. Coincée contre la portière, Ophélie se concentra sur cette pulsation d'eau, le temps de recouvrer ses esprits et de sortir de sa torpeur. Elle réalisa peu à peu qu'on parlait avec animation autour d'elle. C'était sa mère qui faisait la conversation pour 10. Mais l'ours, il était là, lui aussi. Ophélie remonta ses lunettes mouchetées de gouttes de pluie. Elle vit d'abord l'énorme chignon en choucroute de sa mère qui l'écrasait sur la banquette du fiacre, puis le nez de corbeau de la doyenne juste devant elle. Et enfin, de l'autre côté, l'ours. Il regardait obstinément par la vitre de la portière, répondant de temps en temps au babillage de la mère par un laconique hochement de tête, sans prendre la peine d'échanger un regard avec personne. Soulagée de ne pas être dans sa ligne de mire, Ophélie se prêta à un examen plus attentif de son fiancé. Contrairement à sa première impression, Thorne n'était pas un ours, même s'il en avait l'apparence. Une ample fourrure blanche hérissée de crocs et de griffes lui couvrait les épaules. Il n'était pas tellement corpulent, en fait. Ses bras croisés sur sa poitrine étaient aussi effilés que des épées. En revanche, tout étroit qu'il était, cet homme avait une stature de géant. Son crâne s'appuyait contre le plafond du fiacre et l'obligeait à ployer le cou. Plus haut perché encore que le cousin Bertrand, et ce n'était pas peu dire. Par les ancêtres, s'ébahit Ophélie, ce sera mon époux tout ça ? Thorne portait sur les genoux une jolie valise tapissée qui jurait avec ses vêtements en peau de fauve et lui conférait une petite touche de civilisation. Ophélie l'observait à la dérobée. Elle n'osait pas le dévisager avec insistance de peur qu'il ne sentît cette attention et ne se retournât brusquement vers elle. En deux coups d'œil brefs toutefois, elle se fit une idée de sa figure et ce qu'elle entrevit lui donna la chair de poule. La prunelle pâle, le nez tranchant, le crin clair, une balafre en travers de la tempe, ce profil tout entier était imprégné de mépris. Un mépris qui s'adressait à elle et à toute sa famille. Interloquée, Ophélie comprit que cet homme se mariait à contre-cœur lui aussi. « J'ai un présent pour Madame Artémis. » Ophélie tressaillit. Sa mère se tut brusquement. Même la doyenne qui s'était endormie ouvrit les yeux à demi. Thorne avait articulé cette phrase du bout des lèvres, comme si la parole lui coûtait. Il prononçait chaque consonne avec dureté. C'était l'accent du Nord. Un présent pour Artémis ? Bégaya la mère décontenancée. Mais certainement, monsieur, se ressaisit-elle. Ce sera un insigne d'honneur de vous introduire auprès de notre esprit de famille. Vous connaissez probablement son observatoire de réputation, n'est-ce pas ? S'il n'y a que cela pour vous être agréable, je vous propose de nous y rendre dès demain. Maintenant.
La réponse de Thorn avait claqué aussi sèchement que le fouet du cocher. La mère devint blême. Bonne soirée. À bientôt. C'est-à-dire, monsieur Thorn, qu'il serait mal perçu de déranger Artemis ce soir. Elle ne reçoit plus à la tombée de la nuit, comprenez-vous ? Et puis, se rengorgea-t-elle avec un sourire aimable, nous avons prévu un petit repas à votre attention. Le regard d'Ophélie voletait de sa mère à son fiancé. Un petit repas ? C'était un joli euphémisme. Elle avait réquisitionné la grange de l'oncle Hubert pour son banquet pantagruélique, orchestré la saignée de 3 cochons, passé une commande de feu de Bengale chez le droguiste, empaqueté plusieurs kilos de dragées, programmé un bal costumé jusqu'à l'aube. Roselyne, la tante et marraine d'Ophélie, étaient en train d'achever les préparatifs à l'instant même. « Ça ne saurait attendre, » déclara Thorn. « De toute façon, je n'ai pas faim. »« Je comprends, fils, » approuva soudain la doyenne avec un sourire fripé. « Il faut ce qu'il faut. » Ophélie sourcilla derrière ses lunettes. Elle, en revanche, ne comprenait pas. À quoi rimait donc ce comportement ? Thorn se montrait tellement grossier qu'il la faisait passer pour un modèle de bonne manière. Il frappa du poing le petit rectangle de verre derrière lui qui séparait le conducteur de son équipage, et le véhicule freina net. « Monsieur ?» demanda le cocher dont le nez s'était collé à la vitre. « Chez Madame Artemis !» ordonna Thorn avec son accent dur. À travers la vitre arrière, le cocher interrogea du regard la mère d'Ophélie. La stupeur l'avait rendue pâle comme une morte et arracha à sa lèvre un léger tremblement. Conduis-nous à l'observatoire, dit-elle enfin, les mâchoires contractées. Se cramponnant à la poignée de sa banquette, Ophélie sentit le véhicule opérer un demi-tour pour remonter la pente qu'il dévalait un instant plus tôt. Au dehors, des cris de protestation accueillirent la manœuvre. C'étaient les autres fiacres de la famille. « Quelle épingle vous pique ! » s'égosilla la tante Mathilde à travers une portière. La mère d'Ophélie baissa la vitre. « Nous montons à l'observatoire ! » dit-elle. « Comment donc ? » s'offusqua l'oncle Hubert. « À 7 heures ? Et les agapes ? Et les réjouissances ? On gargouille de partout, nous autres ! » !»« Mangez sans nous ! Festoyez de votre côté et rentrez tous vous coucher !» déclara la mère. Elle referma sa vitre pour couper court au scandale et signala au cocher qui avait de nouveau collé sa figure hésitante contre la vitre arrière qu'il pouvait reprendre sa course. Ophélie mordit dans son écharpe pour s'empêcher de sourire. Cet homme du Nord venait de froisser mortellement sa mère. Tout bien pesé, il dépassait ses espérances. Pendant que leur voiture se remettait en route sous le regard sidéré de la famille au dehors, Thorne s'appuyait à la vitre, concentré uniquement sur la pluie. Il ne semblait plus guère disposé à poursuivre la conversation avec la mère et moins encore à l'engager avec la fille. Ses yeux, effilés comme des éclats de métal, n'effleurèrent pas un instant cette demoiselle qu'il était censé courtiser. D'un geste satisfait, Ophélie repoussa une mèche découlinante qui lui collait au nez. Si Thorn ne jugeait pas nécessaire de déployer des efforts pour lui plaire, il y avait quelque chance pour qu'il n'en espérait pas non plus en retour. Au train où allaient les choses, les fiançailles seraient rompues avant minuit. Merci pour ta souscription. La bouche pincée, la mère ne se donna plus la peine de combler les silences. Ses yeux brillaient de colère dans la pénombre du fiacre. La doyenne souffla sur la lanterne et se rendormit sur un soupir, enveloppée dans sa grande mantille noire. Le trajet promettait d'être long. Le fiacre emprunta une route mal pavée, à flanc de montagne qui dessinait des lacets en tête d'épingle. Barbouillée par les cahots, Ophélie se concentrait sur le paysage. Elle fut d'abord du mauvais côté de la voiture et ne rencontra qu'une roche accidentée où bougeonnaient les premières neiges. À un virage plus loin, sa vue dégringola dans le vide. La pluie avait cessé, balayée par un vent d'est. Cette éclaircie,
avait soufflé entre les nuages une poussière d'étoiles, mais en bas, au creux de la vallée, le ciel rougeoyait encore dans le crépuscule. Les forêts de châtaigniers et de malaises avaient cédé la place aux sapins dont le parfum résineux envahissait le cocher. À la faveur de la pénombre, Ophélie reporta une attention plus franche sur la silhouette cassée en trois de Thorne. La nuit avait déposé une lueur bleutée sur ses paupières closes. Ophélie remarqua une autre cicatrice qui lui fendait le sourcil et jetait sur sa joue un éclat blanc. Cet homme serait donc bien un chasseur en fin de compte. Il était sans doute un peu maigre, mais elle lui avait trouvé le même regard dur que les modèles d'Augustus. Secouée par les soubresauts de la voiture, elle l'aurait cru endormi, mais c'était le pli contrarié qui lui creusait le front et le pianotage nerveux de ses doigts sur la valise. Elle se détourna lorsque les paupières de Thorne laissèrent soudain filtrer une étincelle grise. Le cocher avait freiné. « L'observatoire », annonça-t-il. Deux fois seulement dans sa vie, Ophélie avait eu l'opportunité de rencontrer l'esprit de sa famille. Elle ne se rappelait pas la première à l'occasion de son baptême. Elle n'était alors qu'un lange pleurnicheur qui avait arrosé la doyenne de larmes et d'urine. La seconde fois, en revanche, avait imprimé un vif souvenir dans sa mémoire. À 15 ans, elle avait remporté le concours de lecture, organisé par la Compagnie des Sciences, grâce à un bouton de chemise. Il l'avait ramené plus de 3 siècles en arrière et lui avait livré les frasques de son propriétaire dans les moindres détails. Artémis en personne lui avait alors remis le grand prix, ses premiers gants de liseuse. Ces mêmes gants usés jusqu'à la corde dont elle grignotait ce soir les coutures tout en descendant du fiacre. Un vent glacé fit claquer son manteau. Ophélie demeura immobile, souffle coupé, écrasée par la voûte formidable du dôme blanc dont le long télescope éborgnait la nuit. L'observatoire d'Artémis n'était pas seulement un centre de recherche en astronomie, en météorologie et en mécanique des roches, c'était une merveille architecturale. Serti dans un écrin de parois montagneuses, le palais comptait une dizaine d'édifices destinés à abriter les grands instruments, du cercle méridien à la lunette équatoriale, en passant par l'astrographe et le pavillon magnétique. Le fronton du bâtiment principal, frappé d'un cadran solaire noir et or, dominait de toute son altitude de la vallée, où scintillaient les lumières nocturnes de la bourgade. Ce spectacle était plus impressionnant encore que dans le souvenir d'Ophélie. Elle offrit son bras à la doyenne qui peinait à descendre du marchepied. C'était plutôt là le devoir de l'homme, mais Thorne avait réquisitionné la banquette du fiacre pour ouvrir sa valise. Les yeux encaissés sous des sourcils sévères, il agissait à sa convenance sans se soucier le moins du monde de ces femmes dont il était l'invité d'honneur. Sur la terrasse de l'observatoire, un savant galvanisé courait après son haute forme qui roulait entre deux rangées de colonnes. « Excusez-moi, savant père !» l'apostropha la mère d'Ophélie en maintenant d'une main son beau chapeau à plumes. « Vous travaillez ici ?»« Absolument !» L'homme avait renoncé à son haute forme pour dresser vers elle un front large qui fouettait sa houppette. « Un vent magnifique, n'est-ce pas » s'exalta-t-il. « Absolument magnifique ! Ça nous a nettoyé le ciel en une demi-heure !» Soudain, il fronça les sourcils. Grossi par son lorgnon, son œil suspicieux ricocha sur les trois femmes, puis sur le fiacre, garé devant l'entrée principale où l'ombre immense de Thorne s'affairait à déballer sa valise. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ?»« Une audience, fils !» intervint la doyenne. Elle s'appuyait de tout son poids au bras d'Ophélie. « Impossible ! Absolument impossible ! Revenez demain !» Le savant brandit sa canne vers la nuit, pointant les nuages qui s'effilaient dans le vent comme des toiles d'araignée. « Première éclaircie nocturne depuis une semaine. Artémis est débordée, absolument débordée. »« Ce ne sera pas long. » Thorne avait lâché cette promesse en s'extrayant du fiacre une caissette sous les bras. Le savant repoussa vraiment la houppe de cheveux qui folâtrait devant ses yeux. Quand bien même vous n'en auriez que pour une fraction de seconde, je vous le répète, c'est absolument impossible. Nous sommes en pleine inventaire. 4e réédition du catalogue Astronomiae Instauretae Mechanica. C'est absolument prioritaire. 6, exulta Ophélie en son fort intérieur. Elle n'avait jamais entendu autant de « absolument » à la file. Thorne, avalant en deux longues enjambées les marches du perron,
et se dressa de toute son altitude devant le savant, qui recula aussitôt d'un pas. Le vent hérissait les mèches pâles de ce grand épouvantail et étirait les lacets de sa fourrure dévoilant la crosse d'un pistolet à sa ceinture. Le bras de Thorn se déplia. Ce mouvement brusque arracha un sursaut au savant, mais c'était une simple montre à gousset qu'il venait de lui brandir sous le nez. 10 minutes, pas une de plus. Où puis-je trouver Madame Artémis ? Le vieillard dirigea de sa canne le dôme principal. Une fente l'entaillait comme une tirelire. À son télescope. Thorn fit claquer ses talons sur le marbre, sans un regard en arrière, sans un remerciement. Rouge d'humiliation, son gros chapeau à plumes, la mère ne dérageait pas. Aussi se vengea-t-elle sur Ophélie quand celle-ci dérapa sur une plaque de gel, manquant d'entraîner la doyenne dans sa chute. « Et toi, tu ne guériras donc jamais de cette maladresse? Tu me couvres de honte !» Ophélie chercha ses lunettes à tâtons sur les dalles. Lorsqu'elle les enfila, la grosse robe de sa mère lui apparut en triple. Les verres étaient cassés. Cet homme qui ne nous attend pas, gronda la mère en empoignant ses jupes. Monsieur Thorn, ralentissez l'allure. Sa petite caissette sous le bras, Thorn pénétra dans le vestibule de l'observatoire en faisant la sourde oreille. Il avançait d'un pas martial et ouvrait toutes les portes qui lui tombaient sous la main sans jamais frapper. Sa stature surplombait le balai des savants qui grouillaient à travers les corridors et qui commentaient d'une voix forte les cartes de constellation. Ophélie suivait le mouvement, le nez dans son écharpe. Elle ne voyait plus de Thorn qu'une silhouette fractionnée en morceaux. Il se dressait si haut dans sa fourrure hirsute que de dos, il ressemblait à s'y méprendre à un ours polaire. Elle savourait franchement la situation. L'attitude de cet homme était si outrageante que ça paraissait presque trop beau pour être vrai. Comme Thorn s'engageait dans un escalier en spirale, Ophélie prêta encore son bras à la doyenne pour l'aider à monter les marches. « Puis-je vous poser une question ?» lui souffla-t-elle. « Tu peux ?» sourit la doyenne. Un savant qui descendait l'escalier en trombe les bouscula sans s'excuser. Il s'arrachait les cheveux en hurlant comme un damné qu'il ne s'était jamais trompé dans ses calculs et que ce n'était pas cette nuit que ça commencerait. Combien d'affronts notre famille devra-t-elle essuyer « avant d'envisager une remise en question des fiançailles ?» demanda Ophélie. Sa question jeta un froid. La doyenne retira sa main du bras qu'elle lui offrait. Elle remonta sur sa tête sa mantille noire, de façon à ce qu'il en dépassa plus que le bec de son nez et un sourire sillonné de rides. « De quoi tu te plains ? Ce jeune garçon m'a l'air tout à fait charmant. » Perplexe, Ophélie contempla la forme noire et rabougrie de la doyenne, qui se hissait laborieusement d'une marche à l'autre. Se moquait-elle donc, elle aussi ? La voix maussade de Thorn résonna dans la rotonde où il venait de pénétrer. « Madame, votre frère m'envoie auprès de vous. » Ophélie ne voulait pas manquer l'entrevue avec Artémis. Elle se dépêcha de franchir la porte de métal où chancelait encore cet écriteau « Ne pas déranger, observation en cours ». Elle battit des cils derrière ses lunettes cassées, tandis qu'elle s'enfonça dans l'obscurité. Elle entendit comme un froissement d'ailes devant elle. C'était sa mère, de plus en plus courroucée, qui avait sorti son éventail pour se rafraîchir les idées. Quant à Thorn, elle ne distingua sa fourrure hérissée de griffes que lorsque les ampoules murales s'allumèrent, degré par degré. « Mon frère ? Lequel donc ?» Ce murmure rauque, qui évoquait davantage le raclement d'une meule qu'une voix de femme, avait rebondi à travers toute l'armature métallique de la salle. Ophélie chercha sa provenance. Elle suivit des yeux les passerelles qui montaient en spirale autour de la coupole, puis redescendit le long du canon de cuivre dont la focale embrassait près de 6 fois sa taille. Elle trouva Artémis recourbée entre la lentille du télescope. Elle la voyait éclater en 3 morceaux. Il lui faudrait soigneusement soigner ses lunettes dès que possible. L'esprit de famille s'arracha lentement au spectacle des étoiles, dénoua chacun de ses membres, chacune de ses articulations, jusqu'à dépasser Thorn lui-même et de haut.
Artémis couva un long moment des yeux cet étranger, venu troubler sa contemplation du ciel et qui ne sciait même pas sous le poids de son regard. Quelques années avaient filé depuis ses 15 ans, mais Ophélie se sentit aussi indisposée par l'apparence d'Artémis que le jour où elle lui avait remis son premier prix. Non pas qu'elle fût laide, car en vérité, sa beauté avait quelque chose de redoutable. Sa chevelure rousse s'évadait de sa nuque en une torsade négligée et ruisselait sur les dalles de marbre autour de ses chevilles nues, comme un fleuve de lave en fusion. Le galbe gracieux de son corps éclipsait les plus belles adolescentes de toute l'arche. Sa peau, une chair si blanche et si souple qu'elle semblait liquide vue de loin, se coulait sur les lignes parfaites de son visage. L'ironie du sort voulait qu'Artémis méprisât cet éclat naturel dont la nature l'avait paré et que tant de coquettes lui enviaient. Aussi ne faisait-elle confectionner pour sa taille de géante que des habits d'homme. Cette nuit, elle portait une redingote de velours rouge, ainsi que de simples hauts de chausses qui laissaient ses mollets dénudés. Ce n'était pas ses manières homasses non plus qui mettaient mal à l'aise Ophélie, désagrément insignifiant en regard de tant de splendeur, non, c'était autre chose. Artémis était belle, mais d'une beauté froide, indifférente, presque inhumaine. La fente de ses yeux laissant entrevoir deux iris jaunes, n'exprimait rien pendant qu'elle dévisageait longuement Thorne. Ni colère, ni ennui, ni curiosité. Juste une attente. Au bout d'un silence qui sembla durer une éternité, elle se fendit d'un sourire vide de toute émotion, ni bienveillant ni mauvais. Un sourire qui n'avait de sourire que la forme. « Vous avez l'accent et les manières du Nord. Vous êtes de la descendance de Farouk ?» Artémis se pencha en arrière dans un long mouvement gracieux. Le marbre jaillit du dallage comme une fontaine pour lui offrir un siège. De tous les animistes qui peuplaient l'arche, personne n'était capable d'un tel prodige, pas même la lignée des forgerons qui tordaient le métal d'une simple pression du pouce. « Et que me vaut-il, mon cher frère ? » demanda-t-elle de sa voix très rauque. La doyenne s'avança d'un pas, releva sa robe noire pour lui faire une révérence et répondit « Le mariage, belle Artémis, vous vous rappelez ?» Les yeux jaunes d'Artémis roulèrent vers la vieille femme, puis vers le chapeau emplumé de la mère, qui s'éventait d'un geste fébrile avant de plonger droit sur Ophélie. Celle-ci frissonna, ses cheveux humides se collant à ses joues comme des algues. Artémis, dont elle ne voyait qu'une image trouble et segmentée, était son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et il manquait certainement encore un arrière ou deux. De toute évidence, son aïeul ne la reconnaissait pas. L'esprit de famille ne reconnaissait jamais personne. Elle ne se souciait plus depuis longtemps de mémoriser les visages de toute sa descendance, des visages trop éphémères pour cette déesse sans âge. Ophélie se demandait parfois si Artémis avait été proche de ses enfants jadis. Ce n'était pas une créature très maternelle. Elle ne sortait jamais de son observatoire pour se mêler à sa progéniture et elle avait délégué depuis longtemps toutes ses responsabilités aux doyennes. Ce n'était pas entièrement sa faute néanmoins si Artémis avait si peu de mémoire. Rien ne se fixait durablement dans son esprit. Les événements lui coulaient dessus sans persister. Cette prédisposition à l'oubli était sans doute la contrepartie de son immortalité, une soupape de sûreté pour ne pas sombrer dans la folie ou le désespoir. Artémis ne se connaissait pas de passé. Elle vivait dans un éternel présent. Nul ne savait ce qu'était sa vie avant de fonder sa propre dynastie sur Anima, plusieurs siècles en arrière. Pour la famille, elle était là, elle avait toujours été là et elle serait toujours là. Il en allait ainsi pour chaque arche et pour chaque esprit de famille. D'un mouvement nerveux, Ophélie remonta sur son nez ses lunettes abîmées. Et quelquefois, malgré tout, elle se posait cette question. Qu'étaient réellement les esprits de famille et d'où venaient-ils ? Que le sang d'un phénomène comme Artémis coula dans ses propres veines lui semblait à peine croyable, et il coulait pourtant.
propageant son animisme à la lignée entière sans jamais se tarir. Oui, je me rappelle, acquiesça enfin Artémis. Comment vous nommez-vous donc, ma fille ? Ophélie. Il y eut un reniflement dédaigneux. Ophélie regarda Thorne, lui tournait le dos, aussi raide qu'un grand ours empaillé. Aussi ne pouvait-elle pas voir l'expression de sa figure, mais elle ne douta pas que ce reniflement vint de lui. Son petit filet de voix ne lui a visiblement pas plu. Ophélie, dit Artémis, je vous présente mes félicitations pour votre mariage, et je vous remercie de cette alliance qui renforcera les rapports cordiaux entre mon frère et moi-même. C'était une formule de circonstance sans enthousiasme, prononcée pour le seul souci du protocole. Thorne se dirigea vers Artémis et lui offrit sa cassette de bois laqué. Approché de près cette sublime créature, capable de tourner la tête à un cortège de vieux savants, le laissait parfaitement de marbre. « De la part du seigneur Farouk !» Ophélie consulta sa mère d'un coup de lunette. Serait-elle censée remettre elle aussi un hommage à l'esprit de sa belle famille le jour de son arrivée au pôle ? À la lippe stupéfaite que sa mère allongeait du bout de ses lèvres maquillées, elle comprit qu'elle se posait la même question. Artémis accepta l'offrande d'un geste nonchalant. Sa figure jusqu'alors impassible se contracta légèrement dès qu'elle sonda de la surface de sa peau le contenu de la cassette. « Pourquoi ?» demanda Artémis à travers ses paupières mi-closes. « J'ignore ce que contient cette cassette, » l'informa Thorne en s'inclinant avec beaucoup de raideur. « Je n'ai par ailleurs aucun autre message à vous transmettre. » L'esprit de la famille caressa le bois laqué d'une main pensive. Posa de nouveau ses yeux jaunes sur Ophélie, parut sur le point de lui dire quelque chose, puis haussa une épaule avec désinvolture. « Vous pouvez disposer, vous tous, j'ai du travail. » Thorne n'avait pas attendu de bénédiction pour tourner les talons, montre en main, et redescendre l'escalier de son pas nerveux. Les trois femmes prirent hâtivement congé d'Artémis et se dépêchèrent de le suivre par crainte qu'il ne poussât la grossièreté jusqu'à lancer le fiacre sans elle. « Par les ancêtres, je refuse de céder ma fille à ce rustre !» La mère avait explosé dans un chuchotis nerveux au beau milieu d'un planétarium où une foule de savants palabrait sur le prochain passage de la comète. Thorne ne l'entendit pas. Sa fourrure d'ours mal léchée avait déjà quitté la salle obscure où les mécaniques des globes ronronnaient comme des rouages d'horlogerie. Le cœur d'Ophélie sauta dans sa poitrine, palpitant d'espoir, mais la doyenne lui ôta toutes ses illusions d'un simple sourire. Un accord a été conclu entre deux familles, fille. Il n'est personne, hormis Farouk et Artémis, qui puisse revenir dessus sans déclencher un incident diplomatique. Le gros chignon de la mère s'était défait sous son beau chapeau et son nez pointu, violacé à vue d'œil malgré les couches de fard. « Oui, mais tout de même, mon magnifique repas !» Ophélie se renfrogna dans son écharpe en suivant des yeux le balai des astres sous la voûte du planétarium. Du comportement de son fiancé, de sa mère et de la doyenne, elle n'arrivait pas à déterminer lequel était le plus crispant. « Si par hasard vous me demandez mon avis, » murmura-t-elle. « Personne ne te le demande, » la coupa la doyenne avec son petit sourire. Dans d'autres circonstances, Ophélie n'aurait pas insisté. Elle tenait trop à sa tranquillité pour débattre, argumenter et faire valoir sa position. Mais ce soir, c'était du restant de son existence qu'il était question. « Je vous le donne tout de même, » dit-elle. « Monsieur Thorne n'a pas plus envie de s'enchaîner à moi que moi à lui. Je pense que vous avez dû commettre une erreur quelque part. » La doyenne s'immobilisa. Sa silhouette toute tordue d'arthrite se redressa lentement, grandit encore et encore, tandis qu'elle se tourna vers elle. Sous l'entrelac des rides, le sourire bienveillant avait disparu. L'iris d'un bleu fade à la frontière de la cécité se plantèrent dans ses lunettes avec une telle froideur que Ophélie en fut abasourdie. La mère d'Ophélie elle-même se décomposa en assistant à cette métamorphose. Ce n'était plus une vieille femme rabougrie qui se dressait devant elle, dans ce tourbillon de savants surexcités.
C'était l'incarnation de l'autorité suprême sur Anima, la digne représentante du conseil matriarcal, la mère parmi les mères. « Il n'y a aucune erreur, » dit la doyenne d'une voix glaciale. « Monsieur Thorne a introduit une demande officielle pour épouser une animiste. Parmi toutes les jeunes filles à marier, tu es celle que nous avons choisie. » Il semblerait que Monsieur Thorne n'apprécie guère votre choix, observa tranquillement Ophélie. Il devra s'en satisfaire. Les familles ont parlé. Pourquoi moi ? Insista Ophélie sans se soucier du visage catastrophé de sa mère. Vous me punissez ? C'était sa conviction profonde. Ophélie avait refusé trop de propositions, trop d'arrangements. Elle dissonnait parmi toutes ses cousines qui étaient déjà mères de famille, et cette fausse note déplaisait. Les doyennes se servaient de cette alliance pour faire un exemple. La vieillarde enfonça son regard pâle tout au fond de ses lunettes par-delà les verres brisés. Quand elle ne se recroquevillait pas sur elle-même, elle était plus grande qu'Ophélie. Nous t'accordons une dernière chance. Fais honneur à notre famille, gamine. Si tu échoues à cette tâche, si tu fais échouer ce mariage, je te jure que tu ne poseras plus jamais les pieds sur Anima. Et c'est ici que nous allons conclure la première partie de la lecture des fiancés de l'hiver. J'avais envie de finir sur un chapitre parce que je trouvais ça plus agréable pour vous. Donc on a lu 80 pages, à savoir que le livre fait 500 pages. On va en avoir pour un moment. Donc peut-être que à venir les lectures seront plus longues, ou bien qu'on va lire à ce rythme-là. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la lecture. Et puis je vous retrouve demain pour la suite. Salut !